Tadam! Voilà, nouvel enregistrement après mon blablabla de un quart d'heure de ce matin. Bonjour à toutes et tous ceux qui regardent la vidéo à la demande sur YouTube. On va démarrer Raft, il y a Torota qui est déjà là. Et j'ai plus qu'à lancer mon yeu. Il est où mon yeu? Il est là mon yeu. Alors Raft, il faut que je vous l'avoue, j'ai commencé une carrière en solo, en parallèle de ce que je suis en train de vivre en multi avec les copains. Sachant que je ne m'interdis de découvrir ou de me divulgacher des choses dans mon expérience solo. Il faut absolument que je joue à tout en multi avec vous, évidemment c'est plus vivant. Donc en fait là en solo je joue en difficulté normale et j'ai déjà joué 10 heures dans mon coin, tout cumulé là, la semaine dernière. C'est un pur bonheur. J'avais beaucoup joué le samedi soir et le dimanche soir. Puis j'ai pu jouer un petit peu le lundi. Exceptionnellement. J'ai réussi à me faire un rafio à deux étages. J'ai compris comment on Oh. faisait. Ouais. Il m'a fallu du temps. Hein. J'ai eu un déclic en me disant, mais merde, c'est vrai que Petit Seb avait dit clic droit sur le marteau. Ça y est, Petit Seb lance son direct aussi. Je suis là, hein. Coucou. Coucou, bonjour Petit Coucou, Seb. Seb. Et bref, je suis en pleine mer dans ma partie solo. Mais voilà, j'ai rien découvert de l'histoire. Je veux tout découvrir avec les copains en direct. Voilà, vous savez tout. Et d'ailleurs, les vidéos de ma carrière solo en raft, vous le trouverez bien plus tard sur YouTube. Je vous mettrai accessible ça sur YouTube une fois qu'on aura fini l'histoire principale en multi entre les copains. Parce que sinon, ça va faire désordre dans la liste de lecture. Mais vous inquiétez pas, c'est pas perdu. C'est dans les tuyaux. Voilà, ce sera sagement bien programmé. Alors, rejoindre un monde, celui de Torota. T'as déjà lancé toi ton retard? Oui, c'est Parle-moi. lancé, il n'y a pas de souci, vous pouvez rejoindre. Ouais! Voilà, Alors, moi comment vont les je copains? je Oui. voilà. Hein, j'ai tout lancé à l'arrache, hein, parce que vraiment je suis à l'arrache ce matin. Ça va bien et toi le sage. Ah, moi ça va bien, Mekis, je suis heureux de vous retrouver. Tu feras attention, je crois que t'es pas sur la bonne scène sur Ah, tu as raison. ton direct, Merci, le petit sage. Seb. Voilà une remarque fort pertinente. Merci, monsieur. Merci, Capitoun. Oh, ça y est, il recommence. Je vais lui faire une chambre d'un côté du bateau et nos chambres de l'autre côté. Ah! Et un barrage, il y aura la boîte à caca. Dans sa chambre, il y aura l'encre, tu vois. Oh! Capitoun qui va m'accrocher à l'ancre pour me punir de faire des sottises et débiter des âneries. C'est En horrible! fait, ça sera le sage, l'encre, directement. L'encre, c'est Ça le sera sage. encore plus rapide. On lui accroche la corde autour de la taille et des pierres aux pieds. Ça devrait marcher. Oh! Oh, Et en les plus, il vilains! attire le requin, donc au moins on sera tranquille pour un Oh! petit moment. Oh, les monstres! Oh, c'est horrible! Ah, nous n'avons En rien fait, entendu! ce qui est encore plus drôle, c'est pas que je raconte une connerie, c'est que Torota me suit, mais sans sourciller, quoi. Ça, c'est super. Aïe aïe aïe! C'est Bah ça qui tiens, est bien. c'est le conseil qui me passe sous le pif. Ancrez bien votre navire avant de débarquer sur une île. Elle est bonne Eh ben celle-là. voilà. Nous, qu'est-ce qu'on faisait au début? Il y en a un qui sautait, qui allait récolter 2-3 trucs et qui ressautait Aïe sur aïe le aïe aïe aïe. Les débuts chaotiques de nos aventures. Alors, attends, hop, je Quoique, ça n'a range. pas été si chaotique que ça, parce que Non, 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 pour un non, début, non, je en vrai. trouve que. Pas comme ça, ici. Alors, Oula. Ah, et voilà le sage, avec son Coucou. très beau chapeau de requin. Pourquoi ma souris elle réagit pas? Je peux pas manipuler le Regarde sur jeu. ta fenêtre d'à côté, c'était Ah, plus c'est en train bon. de cliquer dehors. Exact, c'est un souci de focus. J'ai rien dit. Merci. Ah oui, je comprenais plus là. Je dis ma souris, elle est magnifique, lumineuse, et puis j'avais plus de contrôle. Voilà, je vais faire Alors, comme ça j'espère serait que mieux. j'aurai pas de soucis avec mon son ce matin, parce que j'ai encore Pourquoi? pris le vieux casque, parce que j'en ai recommandé un, parce que le mien Il part en il charpie. merdouillait. Oh, c'est terrible ça. Il y avait une bouteille en plastique. Ah, Alors, faut que du je coup, refasse un pic. Va falloir il y a piquer le eu requin. d'autres petites modifications durant la semaine. Je ne sais pas si tu as vu, mais les coffres ne sont plus de la même disposition que samedi dernier. Oh là là.
sont trop forts. Et ce qui fait que tu pourras pas avancer aussi vite sur ta partie solo aussi, le sage, c'est que t'auras pas Torota pour farm. Oui, voilà. Mais c'est pas grave ça. Non, puis, tu peux ouvrir le coffre, tu vas comprendre pourquoi il dit ça. Fais-toi plaisir. Oh, ici il y a des graines. D'ailleurs, je suis en train de remarquer que c'est le bordel de mon propre inventaire. Regardez. Voilà. Oh, le requin est out. Alors, ici il y a graines. Je me suis connecté sur la mauvaise partie. Oh oh. Oh. C'est une boîte à caca, mais chez ma boîte à caca, il y a tous les colorants de fleurs dedans. Waouh! Mais il y a combien de milliards de planches? C'est vrai que Capitoun, vous l'avez planché du bois. Tu connais le côté Valérie D'Amido du sage, et direct, hein, on lui a dit, faut attendre pour les fleurs, il en a récolté quand même. La la la, la 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 la. Il y a même des choses que je ne connais pas. Oh, j'ai peux cotiser le plastique. Oh. Alors, charge des... Non, pas charge des mondes, en fait. Rejoins le monde. Ah, bah voilà, c'est mieux. On peut se faire des plats délicieux. Connexion dans 30 secondes. J'ai jamais vu autant de poissons et de... Mais vous avez tué combien de piaf? Il y a 36 morceaux de poulet. Alors, vous, Torota tout seul. Hein. Wow. Moi, j'ai pas fait, hein. J'ai à peine réussi en 10 heures de jeu, moi, à faire deux briques d'argile. Il y a déjà des lingots de fer. Oh, mais cet homme est fou. Non, mais les lingots de fer et de cuir, c'est plus facile à faire que les briques d'argile. Alors, je précise pour ceux qui suivent scrupuleusement, si je puis dire, mes vidéos à la demande sur YouTube, vous vous êtes pas trompé. Hein, c'est bien l'épisode 2 qui fait suite à l'épisode 1. Vous n'avez pas loupé 10 épisodes dans la saison. Mais le saut de confort, pour pas dire technologique, est tellement énorme avec tout ce que Torota a fait dans la semaine, c'est fou. Bonjour Capitoun. Ah bah voilà, je suis arrivé, je me fais déjà coller par le sage et ses grandes dents là. Mais si tu veux le sage, tu peux ouvrir les petits cadeaux pour voir un peu ce que tu vas découvrir et tu peux débloquer aussi la recette. La recette, elle, il faut la garder par contre. Ah. Et tu peux pas la débloquer, ça te l'enregistre pas. Ah d'accord. Ah il faut mais juste la consulter en main, c'est ça? Ouais, et après on pourra l'accrocher à certains endroits sur le bateau pour pouvoir l'avoir à disposition près des ustensiles, on va dire. Il y avait une godasse dans le coffre, quelqu'un est à côté de ses poupes. C'est pour ta fleur de compagnie dans ta chambre. Ah, ok, mais c'est Capitoun. J'ai la dalle, alors. Une fois manger. Alors, j'ai pris 8 colis sur les 28. J'ai le droit à en ouvrir combien? Non, mais tu peux tous les ouvrir, le sage. Oh, il faut tous les ouvrir, d'ailleurs. Alors, attends. Comment on fait? Je reste à fouiller. Et... Oh! Alors, pile de feuilles. C'est un truc complètement inutile. Eh ben j'aurais de quoi me torcher. Nah. Oh, aloe vera, c'est très important ça. Le tournesol. Oh. Alors je rappelle que tout ce qui est dans les paquets, c'est juste décoratif. Un tapis, il est beau, il est circulaire, il est rouge. Un drapeau de pirate, il y a un crâne dessus. Le requin est mort. Oui, je l'ai tué là il y a à peine 2 minutes. Une citation inspirante. Oh, il y a même des poèmes. Oh, un lit. Ça, c'est cool. Une tasse. Ça fait déco, mais ça va nous permettre de faire un lit stylé pour les chambres. Je vais en ouvrir d'autres tout à l'heure. Pas tout en même temps, sinon c'est pas drôle. Nah. Moi, je suis parti récolter ce qu'il y a au fond des mers, surtout. Ah, merci, Torota. Pérail. De rien. Capitoun, j'ai le droit d'aller sur l'île aussi. Torota restera sur le radeau. Ah oui, bah, si le requin est mort, tout le monde peut y aller. Oui. Ah, sauf s'il a replanté des trucs. Ah, il y a je peux ou je peux pas? Non, je vais enlever juste les plantations. C'est bon. Oui, bah, comme ça, tout le monde peut descendre. Ouais. What the good? Voilà. Il y a un navire échoué, mais en dur. On dirait une chaloupe de pêcheurs. Voilà, donc en fait, sur Raft, donc les îles sont aléatoires. Oh.
Et faut que t'ailles jusqu'au bateau pour débloquer un petit succès sur Steam. Voilà. Il y a deux dans les petites îles qu'on peut trouver. Il y en a deux qui sont spéciales. Il y a celle avec le bateau et puis une autre. Tu sauras pas. Oh. Si on la trouve. Et là, ça a été vraiment de la pure chance que je trouve ça. Ah oui, moi j'ai pas eu ça dans ma partie solo en 10 heures de. Mais je te dis, c'est ultra rare. Hein. Ouais. Donc profites-en, récupère le succès en allant voir le bateau. Oui, je l'ai eu, merci. Je vois qu'il y a un ghetto blaster. Récupérer radio. Mais qui les copains? Récupérer plastique. La pâte est plastique. Il y avait un frigo, là il y a des planches au cadeau. Casquette de capitaine. Capitoun. J'ai récupéré 3 morceaux de... Oh, mais qu'est-il advenu de l'équipage? Ils ont été sauvés. Bah, le requin avait faim. Tu crois? C'est horrible. C'est affreux. Ah oui. Mais ils se moquent de nous. Je vais arrêter avec cette chanson parce que... Le choc a été violent, c'est pas... L'état de délabrement de l'embarcation, c'est pas de l'usure. On voit qu'il a été brisé par choc. Oh. Oh, mais il y a un coffre sous la... Mon Dieu. Ah oui, il peut y avoir des choses cachées. Hein. Oui, ça... je confirme. Waouh. Je sais pas ce que... C'est dans le coffre. Oh, oh. J'ai fait là, une bêtise. Je vais quever de soif. Attends. Je suis parti sur la droite de l'île en explorant les fonds marins, là, tant qu'il n'y a pas le requin. Ah, j'ai déjà récupéré 3 métaux et 7 de ferraille. Il faut offrir la casquette au capitaine. Oh. Oh, elle est jolie, notre. Bah, ramène-la sur le bateau, je la prendrai après. Ah, bah oui. Champignons des cavernes. De champignons des cavernes. Comment ça? C'est coucou Twinsen. Ouais, c'est. Bonjour Twinsen. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le petit navire? Ouais. Je crois que le sage a déjà pillé tout ce qu'il y avait dans le petit navire. Oh, c'est pas grave. Oui, j'étais vilain, j'ai tout nettoyé. Non, c'est pas grave, t'inquiète pas. Ah oui, il y avait un coffre dans le dessous du navire, là, dans le... Là oui. Où c'est, là où il est ouvert, ok. Oui, j'ai tout pris, il y avait un peu de ferraille et pas mal de bois. J'ai pas perdu. Alors, boire, remplir d'eau douce. Ah la vache, il y a 5 portions de flotte dans la bouteille. Trop bien. Alors là, par contre, il faut que je re-remplisse le purificateur solaire. Ouais, avec ton petit gobelet. Ah oui, là aussi, c'est pas rempli. Quelqu'un a oublié de re-remplir l'autre d'à côté. Ah non, c'est tu peux pas tant qu'il est pas vide, d'accord. Placer oui, tu peux pas tant qu'il est pas vide. Non, tu peux tant qu'il est pas vide, mais il y a 5 doses dedans et ton gobelet en contient qu'une. D'accord, pour le faire 5 fois. Donc, okay, oui, si tu récupères en fait quand tu récupères 5 fois dans ta bouteille, il faut faire 5 fois avec le gobelet. Ah, c'est logique. Bon bah voilà. On peut rien faire du côté du drapeau là. Ouh. Quel dommage. Alors moi par contre, je me suis aperçu dans mon expérience solo qu'à un moment on peut faire des étiquettes, des panneaux comme dans Minecraft. Je pense qu'il faudra le faire assez rapidement parce qu'avec tous les coffres, là je fais déjà une surchauffe cérébrale à me dire quel coffre contient quoi. Mais je vais agrandir le radeau de toute façon dès qu'on commencera à partir, histoire qu'on ait assez de place. La, je vous laisserai récolter avec Torota et... D'accord. Bah, il n'y a même plus de coffre pour les feuilles de... Ah! Vilain requin! J'ai oublié de lui piquer... J'avais oublié ce bruit horrible du requin qui fait son vilain. Ouf, ça va. Il n'a pas eu le temps de trop casser. Fantastique. Parfait. N'oublie pas de réparer avec le marteau, le sage. Il faut juste des planches de bois, normalement, pour ça. Non, malheureusement, il faut du plastique qui me manque. Ah, s'il a cassé, oui. Mais si... Ah putain, mais il est venu m'attaquer, moi. Enfoiré. Attends, je vais faire comme ça, ce sera mieux. Je répare. Là. Enfin, si je... Mais parce que pour réparer, il faut juste du bois, mais pour reconstruire, s'il a cassé, oui, il faut du plastique.
je me sens faible. J'ai oublié de manger. Oui. Ah bah tiens, je vais manger un poulet. Ça, ça, j'avais remarqué que ça nourrissait bien. Oh mais comment on est en train d'attaquer? Dégage. Ah mais il... non, c'est Torota qui est là. C'est l'appât. C'est l'appât qui prend. C'est l'appât. Ah. Comme ça, il vous attaquera pas. Malin. Malin, malin. Tac. Ta 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 ta. Du coup, j'ai récupéré de la terre. Je sais pas ce qu'on va pouvoir en faire avec. Oh là 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 là. Non, la terre, tu la gardes précieusement. Ah. C'est pour faire les parcelles d'herbe pour les animaux. Ah, d'accord. Oh, ah oui, effectivement, on va faire une arche de Noé. J'ai un peu que ça fait partie de la quête principale. Wouhou. Avec la ferraille, j'ai mis un morceau de métal. Ah, j'ai encore la dalle. Mais on a bientôt récolté sur l'île ou pas? Je crois que je vais... Hop, je vais mettre ça ici en attendant. Je vais faire ça. Voilà, un crochet tout neuf. Voilà. Oh là, le requin, occupe-toi de manger là-bas. Moi, je vais de l'autre côté de l'île. Continue à récolter. De l'île. Voilà. Hop. Moi, j'ai fait mon voilà. Touriste. Enfin, je pêchais comme là-haut. Ça. Oh, on est pas mal. Je vois des choses. Oula, je fais de l'escalade et je prends des risques. Non, je vais peut-être arrêter mes bêtises parce que je vais me péter la tronche. Alors, attends, ça par contre, c'est prévu pour. On va faire un petit peu d'exercice. Ah ouais, le parcours d'obstacles. C'est rigolo. C'est comme Jack, il a fait la bannière Help. Ah, il y a encore du métal. La bannière Aidez-moi. Ça, c'est cool. Il y a du métal, ça me va. Ça, c'est vrai qu'en même temps, le pauvre, s'il avait pas de vivre sur son embarcation, il a pas dû survivre longtemps. Il s'est lui-même jeté au requin pour... Oh. Quelle triste fin. Je vais mettre ça aussi. C'est bon. J'aime bien. Waouh, il y a les vagues quand la mer est haute, les vagues qui arrivent jusque dans la prairie. Tiens, un ananas a été oublié ici. Ananas, j'ai mal vu. Qui ananas? Ah, ça y est, le requin il me vient dessus. Tiens. Attends, est-ce que je peux vous faire une hache? Parce qu'il y a des arbres à abattre là. La hache, c'est moi qui l'ai. Mmh. Ah oui, c'est vrai que c'est. Ouais, il faut un boulon pour en faire une. Voilà. J'ai mis un appât comme ça, tu. Non, en fait, tant qu'il est sur moi, il ira pas sur l'appât. T'es où le sage? Pardon, je suis sur l'île, j'arrive. Oh mon dieu, il fait nuit. J'étais dans mon inventaire. Ah, mais là, il n'y a plus de bois en fait, c'est pour ça qu'il cuit pas. Il n'y a plus des bouées. J'arrive. Lingots de métaux, les animaux. Je suis sur le navire. Les lingots de métaux, ils sont ici. Bien. Dans ce coffre-là. Ah bah, il était bon le nananas. C'est bien, on a plein d'eau. La. Un petit dodo. Voilà. T'as récolté ce que tu voulais sur l'île, le sage? Ah, moi je suis content, il reste des arbres. Bah, mais j'ai pas de hache, alors j'ai pas pu couper. J'ai pas pu faire mon bûcheron. Tu veux que je te file la hache ou...
Non, bah, non, je vois que t'es parti. Vas-y, 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 fais non, fais non. Non, mais à l'occasion, je m'en ferai une avec ce que je récupérerai. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Où est-ce que t'as vu des arbres en fait? Ah, là-bas. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Oh mon dieu, on a presque tout appris. Oh, mais oui, on a presque tout appris. Mon dieu, il nous reste quoi là? Ça m'en fout. Mais il y a des choses qu'on peut pas apprendre avec l'atelier aussi. 10, 14. Ah, d'accord. Il y a encore 18 choses avec l'établi à apprendre. Sachant que visiblement, on en a déjà appris 40. C'est extraordinaire. Oh, bah, le début, en fait, c'est ce que je disais, il y a deux phases. Il y a la phase où tu récoltes un peu tout ce que tu peux pour apprendre des choses. Mm-hmm. Et ensuite, il y aura la phase avec l'histoire qu'on va pouvoir entamer. Eh bien, dis donc. Tintintin. Oh, le requin terrible. Quelle page j'ai mis un appât, il s'attaque. Ah là. Un appât. Ah, on est tranquille. Ah, je crois qu'on l'avait eu. Bon, c'est bon, est-ce que la casquette me va bien? Il est où, capitaine? Mais magnifique, il est beau. Si, ça te va très bien. Il faudrait que j'aille voir sur un nouveau stream quelques jours. Ouais. Alors là, j'ai envie de chanter Cargo de nuit d'Axel Bauer. Et cette machine dans la tête. On est dans l'ambiance. Des... Ma petite mais secrète. Digi digi digi. Ah tiens, digi notre coco, digi. Merci. Digi digi. Je vais en demander quelque chose. Cette machine dans la tête. Non, c'est pas la bouffe. Oh, on l'a piqué en même temps, trop beau. On fait du piquage de requins synchronisés. Incroyable. Ouh, le méchoui de requin. Allez, ouais. C'est parti. Un pic dans le fion, un pic dans la gueule, et on est bon. On fait ça. Tourner. D'ailleurs, l'expression de la barbecue vient de là, hein, de la barbecue, c'est-à-dire de la. On embranche ce qu'on veut faire rôtir l'animal de sa barbe, donc sa tronche, jusqu'au cul. Bah, pas besoin de faire un dessin de tout son long et rotation sur la cuisson. Là, il y a plus de plantes non plus, mais le cuistot là, il fait quoi? Bah, qui est cuistot d'ailleurs? Ah bah c'est moi je crois. Merde, pardon. La 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 la. Excusez-moi le capitoun, j'avais oublié mes fonctions à bord. Yop, cousin. Et déjà le boxon sur le rafio à même pas une heure de jeu. Tout va bien. On a même pas levé l'ancre. Allez, tiens, je lève l'ancre pour la peine. Ah bah c'est au capitaine de le faire, j'ai envie de dire. À moins d'en donner l'ordre, évidemment, explicitement. Moi je carbure à la pomme de terre, j'adore. Ah non, vilaine mouette, oui. Pourquoi elle s'enfuit pas? Elle est morte. Elle est buggée. Ouais, moi je vois une mouette en train de. Moi aussi, ouais, elle danse la macarena là et on est en train de la saigner, c'est horrible. Tu la veux comment ta viande saignante? On récupère tout et ça fait des nuggets. Ouais. Alors, le miam, il faut que je le range. Voilà. C'est bon. Allez. C'est bien que ça. Alors, attends, les choses à cuire, par contre, je les ai pas vues. Ah, c'est pas ça? Ah, en général, il y a pas grand chose. Juste. Oui. Il y a pas grand chose à faire cuire. D'accord. Oui, t'as déjà tout fait en fait. À vous, on le. Presque, j'ai pas. Après là, comme j'ai pas trouvé d'autre place pour l'instant, je le mets dans ce coffre là, tout ce qui est cru, on va dire. Hop, t'as trouvé de la terre, on va la rechercher tout de suite. Et comme ça, voilà, carré d'herbe. Carré d'herbe, j'ai été appelé par petit Seb. Regardez-moi cette image magnifique de la mer. On avait pas quoi? Pas dégagé, toi, oui. On n'avait pas des coquillages, tu sais, les gros coquillages là. Ah, là. Oui. Non, regarde tout ce qu'on peut apprendre. Il y a un tonneau pas loin du bateau. Dans Demolition Man, là, tu vas aller aux toilettes, les trois petits coquillages. Hein? Nid d'oiseau. Alors là, faudra m'expliquer l'intérêt d'apprendre à faire des nids d'oiseaux. C'est un jeu, c'est... je pense pas qu'il y ait une raison particulière de.
Une déco pour Pâques. On met les yeux décorés dedans. La 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 la. Attention, qui c'est qui va avoir le tonneau? C'est Torota. Joli. C'est Bao. Bon, moi je retourne en cuisine. On dérive un peu en diagonale. Moi je continue à étudier. Donc étudier, il faut qu'on étudie ça, ça. Ça on pourra... Ah, faut qu'on étudie l'argile. Ça on n'aura pas, ça on n'aura pas, ça on n'aura pas. Et le reste tout est appris. Donc, purée, mais j'ai encore faim, mais c'est pas possible. La fin de toutes les petites fins. Ah merde, attends, pourquoi j'ai une recette sur moi, moi? J'ai une recette soupe de légumes. Bah. Si tu peux te dépêcher de sortir du coffre avant que je crève de faim. Pardon, pardon. non mais je suis intrigué parce que j'ai dû récupérer ça dans le navire, la péniche, là, sur l'île. J'avais même pas vu que j'ai récupéré une soupe de légumes. Trop bien. C'est bien, je... Oh! Il y a un tonneau. Je vais avoir plus faim pendant un moment. Merde. Putain, je suis fou, je vais aller le chercher. Aïe, m'a croqué le cul. Vilain squal. Le vilain squal, il m'a croqué le cul. Bonjour Christella. Attends, je vais te lire après. Attends, j'ai vu bonjour les naufragés. Voilà, au moins il m'a croqué le cul qu'une seule fois. Toute ta musicalité de ça, je sais. Bonjour Lynn, bonjour Christella. Toyo, toyo, moyo Lynn. Alors, bonjour les naufragés du samedi, petit septe retard. Ouais, bah j'espère tu que tu veux venir te faire croquer le cul avec nous, Christella. C'est vrai que tu peux maintenant. C'est vrai que tu peux. Oui, d'ailleurs, tiens, vous faites bien de m'en parler. J'ai rajouté donc Christella et Edge pour la vocale Discord. Évidemment. Ouais, pas de soucis. Ah, ça aussi. Le custo peut récolter les navets, en replanter et en faire cuire. Ok. Oui, Carpitoon. Touk, touk. Donc, il faut que je fabrique ça et ça. Alors, je suis pas sûr qu'il nous reste. C'est trop bien. Ça. Oui, je referai des mises au point complètes lors de. Ah oui, non, c'est vrai qu'il faut que je purifie avant d'arroser. Alors attends, tac, tac, tac. Ouais, je fais comme ça. Sinon, tu peux arroser avec ta bouteille. Oui, oui, les bons réflexes reviennent. Oui, vous en faites pas. Oui, lors de mon bilan au 1er janvier, j'aurai plein de choses à vous dire, comme j'expliquais tout à l'heure, pour ceux qui étaient là à mon intro de début d'antenne. Et le fait de gérer les jeux en commun, là, vous aurez remarqué que c'est cool, j'en fais de plus en plus des jeux en commun. Et justement, oh là, il y a plein de bateaux qui arrivent là, oui, c'est la folie là. Wow. Oh, petit Seb a utilisé les jumelles. Capitoon. Pas de le il est devenu on a perdu le sage. Je demandais juste une longue vue, Capitoon, pas une double. Ah, c'est trop bon. Bon, de toute façon, la simple, on pourra pas la faire. Et de toute façon, celle-ci, on peut pas la faire, on n'a pas les ressources. Ouais. Et là, je me jette à l'eau. Désespéré. Ok, bien là. Et nous, on fait accélérer le bateau, là, histoire qu'il se fasse... Oh. Oh, les brigands. Attention. Ah, j'ai mal lancé, pas bien. Ah, bah, j'ai gagné une planche. Ah, attends, je vais avoir à l'angle. Oh, bien, plastique et planche. C'est bien, ça, pour les réparations. Ah oui, on a du beau matériel qui arrive devant nous, là. C'est merveilleux. Alors, je crois qu'il y a un truc que j'ai pas récolté sur... sur l'île que j'aurais dû. Et attention, attention, parce que là... Ah, grande découverte. Centrifugeuse. Centrifugeuse. Bonjour, Yukine. Wow. Quoi? Système d'arrosage. Bon. Oh là 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 là. Une antenne. Une ouais, antenne. On avait appris l'antenne. On va regarder la télé. Oui, j'allais dire. Récepteur. Oh là là. La 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 la. On pourra regarder les dents de la mer comme ça. Quoi ça? Ça va être incroyable. C'est bien. Je pense que le requin est presque mort. Mais champignons de caverne. Oh la vache.
Il y a ces trucs. Ah oui, je peux ranger ça. D'ailleurs, dans mon inventaire... Attends que j'arrive à faire quelque chose de correct. Alors, cuisson de betterave. Placer planche. Bonjour Edge, il arrive dans un quart d'heure, magnifique. Oui, on va bien dans l'ensemble, merci Yukine, j'espère que toi aussi. Ouais, tout se passe bien sur le navire. Bon, effectivement, je jette les bacs et la cuisson. J'aime beaucoup mon poste de cuistot, c'est très agréable. Oh, t'inquiète pas, on te fera une grande cuisine sur le radeau. Oh, tout équipé. Ah, c'est merveilleux. On voit que tu recales de près. Oh là là. La. C'est trop loin. Oh, la vilaine mouette. Ouh, la vilaine. Tu vas très bien aussi, dit Yukine, visiblement mon patron Twitch ne m'a pas encore remarqué chez lui. Si, je t'ai vu. T'inquiète pas, je t'ai salué. Ah, c'est moi qui l'ai acheté, ouais. Entendre, ce n'est pas bien grave. Il y a une île par là où je regarde. Je m'adresse à mon public, enfin ceux qui ont la gentillesse d'être sur mon canal. N'hésitez pas à me faire des retours sur la balance des voix. Parce que le week-end dernier, j'ai remarqué que je m'étais mis beaucoup trop en retrait par rapport aux autres. Donc au niveau des rediffs, ça m'a fait bizarre, je me comprenais pas. Alors, vous me direz pour une fois que je me tais accidentellement, c'est pas un mal. Ah, on est nuls tous les deux. Non. Excellent. Oh non. Je suis en train de ramer pour aller vers l'île. Et devant moi, il y a une caisse et un tonneau, d'ailleurs. C'est pas grave. Magnifique. Non, mais c'était rigolo. La séquence, c'était... On était nuls en duo deux fois. D'ailleurs, j'ai bientôt plus de rame, donc... Ouais. Oh... Il faut en ramer à la place du Capitoun. Attends, je vais essayer de... Génial, je suis nul. C'est quoi? Voilà, tu as raison. Je vais lâcher l'ancre. Hein. Oui. J'ai plus de rame, donc pour éviter de partir n'importe comment, j'ai mis... Wow. Et voilà. Waouh, la scène était impressionnante. Il va falloir... attends. Alors attends, je reprends en cuisine, excusez-moi, mais il se passe des trucs. On récolte, très bien les bois, merci Christella. Replantez pas, comme ça on va pouvoir aller se balader sur le... Oui, sur... oui, d'accord, capitaine. Alors, je peux savoir ce que tu... Que quoi? J'ai encore fait des bêtises? T'as replanté. Ah oui, quand mais je dis replantez pas, tu replantes. Bah, j'ai fait ça tout à l'heure. Bonjour. Placard. Ah, placard à P. Excusez-moi, Capitoun, je ne comprends plus. Ne replante pas le sage. Je replante. Alors, il va falloir que je mette. Je suis déjà blindé en bois. C'est incroyable. T'inquiète pas, je vais commencer à construire, ça va te libérer. Mais d'abord, il faudrait. Si t'as un appât, balancer l'appât pour que le requin soit distrait. J'ai un appât ici. Toc. Oh, ces trucs, cisaille, pelle, jumelle. Ah ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, à la vache. Mais extra. Ça le mérite d'exister. Ça fait... Oh, bouteille d'oxygène. Tu voulais pas qu'on aille Il faut qu'on aille sur l'île, ouais. J'arrive, Capitoun. Mais attends, parce que... Non, voilà. le bois c'était où le sage a raison, va vraiment falloir qu'on... Le bois est ici. En plus. Je ne savais pas que les naufragés pouvaient faire des streams en pleine mer. C'est bon. On a trouvé du réseau, on a de la chance. Ah, il est mort le requin, je le dépeuse, sauf la tête. Ouais, juste les 4 morceaux de viande, et ensuite tu t'arrêtes. C'est ça capitaine, c'est fait. Hop, je remets du plastique. Il me manque 2 cordes et 1 plastique. Ah oui, il faut réparer, j'ai plus de bois. Merde, où... Attends, il y avait 2 planches là. Tant qu'il est mort, le requin... Il y a encore 8 places hein, dans le plastique. Et 2 cordes.
Toc. Je sais pas, il va falloir vraiment que je fasse de la place. Alors, on va lance. Je vais mettre ça là. Tiens, en absence, je ferai cuire la viande de requin. Oh, la moitié d'attaque. Trop bien. La moitié d'attaque. Une moitié, non, mais elle est morte. Je vais la dépecer, faire. Bien joué. Voilà, on est arrivé. Des nuggets. Et voilà. Donc n'hésitez pas à ramener. Oui. Tout ce qui est bien. Du plateau, ça cuit bien dans le. Dessous. Ça cuit et bien. Et récupérez toutes les algues possibles que vous croisez dans la flotte. Les algues. J'ai encore jamais récupéré d'algues. Je crois que j'ai regardé comment on fait. Bah attends. Déjà plein. Non, c'est bon, c'est juste de la soif. Je vais mettre la viande de requin là, exceptionnellement. Vous avez... Le sage, regarde derrière toi là. Derrière moi. Là. Oui, ah je bon. Regarde, capitaine. Viens avec moi. Là. De la ferraille. Hop. Ouh. Minerai de fer. Ah, regarde, ici il y a de l'algue. Il y a juste à appuyer sur eux pour la récolter. Ah, c'est ça. D'accord. Ok, merci. Par contre, j'ai vu qu'il y avait plein de métaux autour, donc on va récolter ça. D'accord. On va se mettre bien. Ah oui, il faut que je me fasse. Ouh là là, je vais boire la tasse, moi. T'inquiète pas, moi aussi, mais je continue à récolter. Oui, il est fou. Attends, je suis en train de me dire que l'idiot que je suis. Alors, je sais pas faire. Pareil que je suis. Attends, faut que je fasse accrocher en duo. Moi, j'ai toujours le crochet de base hein, pour l'instant, ah bon, même si on peut en faire un. Oui, parce qu'il y a des trucs à récolter quand même. Cette année, non, c'est juste. C'est la durabilité qui change. Ah, ouais. D'accord. Et pour l'instant, on n'a pas assez de métaux ou d'autres choses pour faire des choses améliorées. Ah oui, d'accord. Oh, une palourde géante. Ah oui, ouais, on en a plusieurs, ça c'est pas nécessaire. D'accord, pardon. Ah, de l'argile ou du sable, ça se refuse pas, ça par contre. Ah oui, c'est du sable, ça c'est quoi? Ça va être de la pierre. Hop. Ah oui, je vais. Ah non, c'est de l'argile. Vite, je vais boire la tasse. Ah, oh, que. Ça se passe bien sur l'île, Torota. Nous, on fait les fonds environnants. Et je fais les fonds aussi. Oui, il est pas ah, loin. Ah, on est tous à fond dedans. Bah, oh. Tant que le requin est mort, autant faire tous les fonds sous le bateau, ça sera. C'est safe, quoi. D'ailleurs, vous avez récupéré la nourriture de requin. Oui, la, le sage a récupéré la viande. C'est déjà nickel, cuit. Nickel, bien joué. Alors non, c'est pas cuit parce qu'il a oublié de mettre du bois dans le four. Ah, pardon. Ah, j'allais dire ça, c'est un bon cuistot. Bon, mais je veux corriger. Bah, vous m'avez tout soufflé dans le creux de l'oreille, ma viande, je la veux bleue. Hein, bon. Mais Guy. Hop là. La 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 li la 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 li. Ah vite. Ah merde, j'ai plus de crochet. J'ai dit mais pourquoi il n'y a plus d'interaction? J'ai cassé l'outil. Je suis dans un secteur qui est blindé. C'est quoi cette averse? Mais c'est un orage. C'est un peu la tempête, on va dire. Oh. Ouais, de métal, c'est incroyable. J'ai récupéré 2 cuivres et 10 minerais de métal déjà. Ah, bien joué, bien joué. Ah oui, là, ça régale bien cet endroit. Ouais, mais tant mieux. Tant mieux parce que. On va en avoir besoin. Alors attendez. On n'a pas fini d'en avoir besoin. Ah oui, c'est... on a vraiment fait toutes les choses alentour. La mer est d'une propreté extraordinaire. Attends, il me faut un peu de planche quand même. Ah, j'ai entendu la vilaine. Ah non, elle est au-dessus de nous. Là, dans ce coffre-là, là, le sage, celui sur lequel je suis, là, t'as 20 trucs de déco, là, ouvre-les, ça nous fera de la place. Ah, d'accord, capitaine. Oh. Oh.
Ah. Oui, d'accord. Oui, bien joué. Ah, récolté. Ah, il me faut de la pierre. Il m'en faut que deux. Alors. T'en as une ou deux qui traînent dans un coffre. Les cadeaux. Je vais en faire encore quelques-uns. Des ballons. Oh, je vais en trouver bien dans la flotte. Oh, une guirlande. On sera prêt pour Noël. Un placard. Un livre ouvert. Oh, j'espère qu'on peut le colorier. Des rideaux. Un drapeau. On dirait un drapeau de l'Argentine. Une peinture. Oh. Et j'ouvrirai le reste un peu plus tard. Tu fais durer le plaisir. Du coup, le requin est revenu. J'ai vu ça n'avoir passé. On va se faire croquer le cul. Non, Torota a balancé un appât. Normalement, il devrait attaquer là-bas. Je vais aller visiter. Sauf s'il y a quelqu'un à la flotte, je pense. Tu veux la hache? Attends. Ah, pardon. Oui, je vais couper du bois. Je veux bien. Merci, capitaine. Ah, merde, je l'ai posé. Ah, c'est moche. C'est moche. Je l'ai posé dans ce coffre-là. Là. Voilà. Non. Moi, je vous donne des choses importantes. Capitaine, je vous laisse gérer. Voilà. Il y a des petits colis. Ça, c'est quoi? Je n'avais trouvé qu'un seul de colis, mais... Mickey! Ah oui, tiens, il y a un bug. Bon, c'est pas grave. C'était des trucs communs. Ouais, ça sera pour plus tard. Non, puisque merci. Elle est pas en très très bon état, mais au moins elle est là. Ouais, bah je vais l'achever. Oh la vache, elle est fragmentée en deux morceaux, là. Non. Aïe, bah je me suis loupé. Ah. Voilà. Bûcheron. J'aurais pas de place. Ça coupe du bois. Je dirais ça. Ah, il me les faut. Ça, c'est quoi? Des graines de palmier. Ah, bah, c'est bien. J'ai abattu le dernier arbre avec la hache qui a pété. J'ai bao. Hein, pastèque. Hop, je récupère ça. Voilà, on a appris tout ce qu'on pouvait apprendre. Waouh, wow, j'ai. Il y a encore des choses à étudier, mais. Oh, bien. Ça sera pour plus tard. C'est énorme. Bon. Il va falloir que je retourne sur le navire. J'ai tout de stock. Hop là. Alors, voyons. Tout ce qui est bouffe, déjà. Pastèque. Noix de coco. Alors, pour ceux qui se posent la question, qui connaissent pas le jeu, je me suis refusé pour le moment à cueillir tout ce qui est végétaux colorés, là, comme des fleurs rouges, fleurs jaunes, fleurs machin. Parce que c'est le confort vers la fin du jeu. Là, pour le moment, on serait encombré si je devais prendre ça. C'est tout le sketch que... Étant donné qu'on en a déjà posé dans un coffre, tant que les stacks sont pas pleins, tu peux en récolter un peu. Hein. Ah, bon, d'accord. On sera pour la prochaine. Mais voilà, quoi, j'expliquais le... Ah, attendez, du coup, là, je vais vider mes poches parce que j'ai récolté plein de trucs. Alors, moi je vais refaire une hache, donc c'est ça, ça. Ah, t'en as fait une de hache, toi, Torota? Je m'en étais refait une. Ouais, donc t'en as une sur toi? Oui. Quand t'auras deux minutes, je te demanderai de l'utiliser. Ah, ouais, il y a le requin qui s'excite au loin sur la Je peux le laisser. Non, mais j'en ai besoin 3 secondes en fait. Tu peux me péter le coin là et le coin de l'autre côté. Voilà. Alors, le barbecue, la suite. Voilà. Tac. Ajouter des planches. Ouais, c'est sympa dans l'inventaire. Ah oui, attends, je vais déposer mon... Attends, c'est où? C'est là. Parce que j'ai récupéré de l'argile, ce serait dommage de... Ah, j'ai même de la terre. Ah, je me demande si je viens pas d'assister à un bug en direct dans le jeu. Au niveau de mon inventaire, l'argile a étrangement... s'est transformé en terre dans la même case. Peut-être un petit bug de gestion en multi pour le jeu. C'est des choses qui arrivent. Ça expliquerait peut-être le coup du bug de Petit Seb tout à l'heure quand je lui ai passé des objets, des paquets sur la plage et qu'il avait dit qu'il n'en avait récupéré qu'un seul.
Alors, je gère les bacs à flotte. 5 portions. 3, 4 et 5. Voilà. Ok, j'ai de la pastèque, des graines de pastèque que je mettrai. Bah, t'as les graines, tu les as mis dans le petit coffre là-bas. Ouais. Ouais. Ah, alors, on est d'accord. Salut. Ah, salut, bonjour, Edgé, comment ça va? Salut, Edgé. Très bien, et vous? Bon, bien, mais qui? Nous sommes tranquillou, peinard, pépouze. Bien joué, Dorota. Il en avait marre de la betterave. En ce moment, je ne cuire que des betteraves. Mais t'as pas vu le stock de pommes de terre? Non, mais c'est bien, on aura la frite avec ça. Je vois on le va requin. Avoir la patate, tu veux dire. Aussi. Mais je crois savoir qu'un mousse va nous rejoindre sur le navire. Je vois pas de quoi tu parles. Qui c'est qui va avoir le chapeau avec le pompon rouge à la fin, non? Quelle petite Edge. Où qu'il est, où qu'il est? Il a rejoint le radeau. Me dit-on dans l'oreille. Que fais-je? Bonsoir. Je... Oui. Il est où? Il est où? Il est là. Là. Il est bon. Bienvenue à bord, Edge. Et une île. D'accord. Ça c'est un lit, ça c'est les corps, ça c'est l'encre. Ça c'est les plantations. Ça c'est une forge. Oui, il y a des lingots en métal à récupérer là. D'accord, et ça c'est pour clarifier l'eau. Jusqu'alors je connais tout ça. Waouh, la houle est terrible, ça tangue, c'est wouh. Okay. Est-ce que tu veux qu'on refouille un petit peu les fonds? Oui, si tu. Bah, ouais. Il faut faire tout le tour de l'île, hein. De toute façon, faut vérifier qu'on n'ait pas oublié de ferraille, de métal, de cuivre. Après le... Si vous voulez. Le reste, bah vas-y. Hein. Aïe, oh merde, j'ai fait flic. Oh non! Le capitaine est même tombé à l'eau. Je me fais bouffer le cul. Oh, c'est moche. C'est muche. Hop! Tiens, pourquoi j'ai plus de betterave? Une mouette de plus. Oh, bien. Ah bah, il reste une place dans le. Dans le bar. Vous avez pas de. Bastos, ah bonjour. Yo Moussaillon, oh, bonjour, avant d'un reste favorable, le premier qui moufle, c'est le supplice de la planche. Bien dit. Ah, en plus j'ai fait des tests en créa, je sais comment faire une planche maintenant. On peut pas le faire. Terrible. La fameuse planche. Faut passer sur l'autre côté de l'île. Faut passer par là. Elles sont où les betteraves crues? Après, il y a du reste ici, le sage. Ah, merci, j'arrive. Merci, là. J'arrive. Là. Ah oui, Mickey. Ouais, je vais tout cuire, moi. Comment ce sera fait? Est-ce qu'il reste... T'oublie pas de garder 4 patates, 4 betteraves pour replanter. Ah oui, exact, c'est la règle d'or. Sinon, on va quever. Donc, si vous cliquez gauche, hein, ça prend tout le stack. Oui. Si vous cliquez droit, ça en prend qu'un. Si vous faites un clic molette, ça prend que la moitié. Ah, le clic molette, je connaissais pas. Très intéressant. Et encore du poulet. C'est beau. C'est beau. Bah, tu m'en veux pas, j'ai mis du poulet parce que j'ai faim. Oui, non mais je te remets personne. Une tranche de requin cru dans le coffre avec tous les trucs qui sont prêts à manger. Ça, je vais le garder, je vais le manger parce que là, il y en a assez de stacks dans le coffre. Là, j'aurais pas dire, mais à plusieurs, on est confort. Ouais. Ça a rien à voir avec la galère que je vis moi en solo. Hein. Là, je commente. Le fait que...
Le fait que... Le fait que Torota est bien farmé, ça nous met à l'aise aussi. Ah, il faut récolter les algues et il faut les faire cuire. Oh oh, je vais me faire bouffer le pied. Il n'y a plus d'hameçon de requin. Non, il n'y a plus d'hameçon, non. Alors je vais aller faire de la pêche. De la pêche, de la pêchouille, la 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 la. Là, je vais ranger un petit peu. Je sais pas si le bac est complet au niveau de l'eau. Ah non, je peux encore le remplir, décidément. Ah oui. Ouais, là, oubliez pas de re-remplir quand vous avez oui. Bu, messieurs. Ah oui, non, c'est bon. Bah, le reste, je peux le vider, du coup. On remarque maintenant que c'est liquide. La 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 la. Alors, le miam, il y a des pilons. Je commence à vidonger les coffres, hein, Toro. Oui, oui, t'inquiète, vas-y. On est tellement confort que j'ai quasiment plus rien à cuire. Là, tout est prêt, c'est merveilleux. Ah oui, c'est la cour. Ah non, il y a une tranche de cru de requin. Faudrait que je la fasse après. Là, il y a des pilons de... magnifiques. On a 40 morceaux de volaille. C'est d'un confort fou. Merde, je me suis planté. Donc, c'est pas grave. 1, 2, 3, donc 4, 5, 6, 7. La 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 la. Oh, récolté. Hop, juste. Ah, en attendant, ce serait. Est-ce que je peux piquer quelques ressources qui sont dans le coffre pour faire les objets de base? Oui, non, mais vas-y, Edge. Dans la richesse, le pouvoir. J'ai un appât de requin pour plus tard. J'ai trop bien. On dirait un Gugus qui sourit là. La disposition de cuisson, c'est rigolo. On dirait un visage souriant. Oh, bonjour Erika, j'espère que tu vas bien. C'est je bois un coup. Pouvoir de l'amitié. Ouais, c'est ça, c'est comme dans Yu-Gi-Oh. Tiens, le sage, si tu peux. Pas que je te laisse ça. Comme ça, tu peux les faire cuire. D'accord, après je cuis du poisson. D'accord. Capitoune. Ouais. Est-ce que vous savez qu'en cuisine, quand vous mangez du poisson, c'est le seul plat qui vous dit arrête quand vous avez fini votre assiette? Je sais, Capitoune, elle est nulle, mais elle fait rire que moi. C'est fatigué, je sais pas pourquoi. Plein de love, you. Oui, merci Erika, bisous à toi aussi, Erika. Voilà. Je raconte des grosses sottises comme d'hab. Le requin ne peut attaquer que l'arrière du bateau. Vous êtes prévenus. Ah okay. Intéressant, oui, ça. Je ferai des On s'est fait déjà bouffer le cul, mais en plus, maintenant, s'il peut bouffer le cul du radeau, eh bien, on n'a pas gagné. Mais il peut bouffer que le cul du radeau, il peut pas bouffer le reste. Eh ben, à force de bouffer que des culs, le requin, il va finir par faire un régime à l'arrêt. Fait partie des douceurs des milieux aqueux. Si quelqu'un recrute un capitaine pour un autre navire que tu preneur. Est-ce que quelqu'un a un piano aqueux, s'il vous plaît? Ah oui, joue-nous de douces mélodies. La mélodie du désir et du plaisir. Ah. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, cette mouette? Généralement, elles sont deux. Tiens. Généralement, je suis toujours habitué à voir un duo de mouettes, là, et puis il n'y en a plus qu'une. Mais c'est parce que je les ai tuées l'une après l'autre, donc il y en a une qui respawn et pas la deuxième encore. Vous êtes trop fort, Capitoune. Alors, les gros poissons. Un tilapia. Ça part en cacahuète, cette histoire. Oui, bon, ben, wow. Comme d'habitude, hein. Il n'y a pas grand-chose d'étonnant. Wow. Là, c'est notre style. C'est notre style habituel. Alors. C'est
Et attends, c'est quoi là-bas? C'est une planche? Ah non, c'est un gros morceau de plastique, je crois. Oh, il y a tellement de choses au loin, à l'horizon. C'est fou. Ils sont jolis, les poissons. Ils ont été bien modélisés. J'aime bien. Mais t'en as un petit peu. Très beau travail artistique. Mais alors, bon, hop, ben ça y est, je me fais bouffer le fiac. Waouh. Ah, c'est pour ça, oui, c'était bien proche, le requin. Ah, le navire pour une forme en U, c'est intriguant. Tat tat tat. Ah! Le petit lapia est devenu couille. Tu vas voir un poisson, s'il vous plaît. Vite. Ah, il y en a un là, qui est pas cuit. Bah, je vais manger celui-là alors. Ouais, si tu veux, c'est du macro là, que tu savoures. Voilà, comme ça, je suis pas trop bas. Je suis en train de te vider les coffres. Hein. Non, mais t'inquiète, j'ai fait le marteau, la lance. Gros, et le petit verre. Donc la générale. Wouah! L'extension de fou! 5. C'est énorme. Caillou là. Alors. C'est quoi ce caillou? Il loue le requin. Déjà, ils sont obligés de mettre du bois dans les fours. Ah, t'as du bois dans les fours, non. J'en ai remis, alors je sais pas si j'ai tout complété parce que j'ai plus de planches. Oh non, je crois que c'est bon, il m'a pas invité à en mettre, donc non, c'est bien géré. Bravo, bravo. Là, j'ai plus plein de macro. Non, c'est pas vrai, j'ai plus rien à cuire. Alors, rangeons le miam. Tiens, on peut, si tu veux, 3 pommes de terre, zut, je lance mal. Ah, déjà un truc qui m'intriguait et j'ai eu raison, c'est un cuivre. Voilà. Mais qui te Mais si t'as des petites boules contre les parois quand tu plonges, c'est soit du cuivre, soit du métal. Métal. D'accord. Quelqu'un a récolté des algues? Non, je sais pas où tu peux les trouver. Alors, il y a une heure, j'en avais récolté, mais je les ai rangés. Non, je les ai donnés au capitaine. Non, tu les as gardés sur toi, tu me les as pas donnés. Hein. On appelle ça un requin. Bah, je les ai plus dans mon inventaire, alors il y a eu un bug là, c'est pas cool. Quand il repasse, c'est un requin. Oh. C'est bien, Jet, t'as le réflexe de l'eau de mer, c'est bien. Bah, j'ai joué un petit peu en solo pour voir comment ça fonctionne. Très bien, tu t'es fait ta propre initiation, c'est beau. Merde, j'ai plus de pique, je peux plus piquer le requin, c'est pas drôle. Comment vas-tu, Pastoche? Oh non, tu me pètes pas ça, connard. Putain. Ah, je suis désolé, et puis je suis en train de me faire une pique, trop tard. Oh, mince. Il faut vraiment que j'ai la pique sur moi. Tranquille, merci, ça va, tranquillement. Voilà. Ah, tu me pèteras pas ça. 4-4, champignon. Ah, il y a un petit poisson qui était mis à cuire. C'est rigolo. Ah bah on va en voir des belles choses dans le jeu qui est d'une poésie infinie visiblement. Donc hop là, bon. Je vois rien avec le soleil. J'ai les reflets, je suis à contre-jour, c'est horrible. Oh là là. Alors, je disais, je vais ranger le miam. J'ai été interrompu par un vilain requin. Mettre la luminosité à fond, c'est quoi ça? Ah non, j'en ai besoin. D'ailleurs, je vais les prendre avec moi, parce que si je dois faire des réparations. C'est en bas, pardon, j'ai pas reconnu le poisson. Ouais, ça va être ma petite récompense. Je vais peut-être attendre d'avoir une nouvelle récolte avant de refaire cuire des trucs parce que c'est dommage de tourner à vide. Les fourneaux ont-ils leurs planches? Ouais, non, bah les fourneaux, ils sont en action. Ouais.
Est-ce que tu veux qu'on lève l'ancre histoire d'avancer un petit peu? Faut absolument qu'on récupère des algues. Donc les algues, tiens, je vais te montrer ton retard. Ouais. Le requin, tu dégages. Voilà. Bah tu vois les grandes plantes là vertes? Ouais. Bah c'est sur ça que tu peux en choper. Ça brille, mais il y en a par là-bas. Il est où? Là, il y en a ici. Ah oui, c'est là, d'accord. Il arrive. Ah, tu l'as vu? Ah, t'as l'œil. Bien, Jay. Fuis, connard. Est-ce qu'il y a tué encore Thomas? Il est là. Bien. Vas-y, viens de battre. Merde. Attends, mais j'ai même plus croché là, je suis en train de voir dans mon inventaire. Alors, il est où? C'est ton foireau, c'est là. Ah mince, c'est des gens qui ont mis du mé... Ou c'est moi qui ai mis... Ouais. Va falloir faire cuire les algues en priorité, qu'on fasse une bouteille à EJ pour qu'il puisse... Ah oui, c'est vrai. ...être mieux qu'avec son gobelet. Ah, on a récupéré des lingots de métal. Alors ça, c'est le coffre là. Je vais ranger cette ressource précieuse ici. Minerai de métal, on va aller en faire cuire. Vous allez pouvoir reposer du bois et du plastique. Hein. J'ai grandement agrandi, j'ai agrandi pas mal le bateau. Mm-hmm. D'accord, capitaine. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui a AJ? Le mouche a trouvé quelque chose. Non, Torota avait un sac de poisson là dans les mains. Oh. Ah, ça, c'est la patte de requin. Ah bon. D'accord, ok. Après, tu fais ça, et comme ça, au lieu d'attaquer le raft, il attaque, voilà, la bouche. Ah, tu lui donnes qu'un pic, il se barre, et puis il reviendra. Et ça sera comme ça tout le temps. Oui, Christella, okay. Effectivement, j'ai vu ça, moi, dans ma carrière solo. Effectivement, on peut concevoir des lumières, des torches sur le radeau. Il y a beaucoup de gens qui me disent, en fait, quand c'est la nuit, sur le stream, on voit rien. Ouais, c'est vrai. Sauf qu'on n'a pas le schéma. Ah, c'est marrant, moi, dans ma carrière solo, je me suis trouvé le schéma. Ah si, on a la lanterne, j'ai rien dit, il y a deux modèles. Je vais en faire une, attends, Christella. Il faut faire la première. La première est sur pied. La deuxième, c'est une... Rotative. Elle se pose juste au sol. Mais dégage le requin, tu vois pas que je suis en train de discuter avec les gens? Mais je vais faire ça. Bonne suggestion, Christella, bien vu. Ouais, donc je disais, vaut mieux faire la première. Ouais. En fin de compte, je vais mourir. Oh, le capitaine va quever. Pourquoi? Ciao. Parce que j'ai trouvé un tas d'algues et que je veux récupérer les algues. Ciao. Oh, bien. Il y a encore deux autres et puis après on arrête. Hop là. C'est trop bien. Préviens-moi quand il attaque là, pas le requin. Il vient le faire. Faudrait peut-être essayer de le laisser attaquer là-bas, comme ça moi je peux... Okay. Quoique... Ouais, non, c'est bon. C'est beau. C'est vrai que ça fait lumière d'ambiance. Excellente suggestion que Stella, je valide. Ouais. Bon alors, ma récolte, elle est prête? Ah! Javacuera. Ouais, je trouve un morceau de métal de plus. Cuisson betterave. Poc. Ça bien. Et moi je bois dans la doudi 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 douda. Alors c'est ça qui fixe. Alors planche. J'ai plus planche. Oh oh. Ouh le squal, ouh le vilain. C'est quand t'es trop proche, il accélère pour se barrer en fait, pour pas se faire avoir. Ouais. Ça c'est impressionnant. Mais il a pas réussi à me toucher hein. Oh. L'art secret de l'esprit. Non, arrêtez de mettre du minerai dans les fourneaux, s'il vous plaît. Ah, d'accord, tu veux faire cuire les algues, je crois savoir. Oui. Non, c'est ma faute. Ça y est, j'ai un moment d'absence. Pourquoi j'ai pris des planches? Ah oui, c'est parce qu'il fallait remettre dans les fourneaux, justement. Il n'y en avait plus assez, mais ça a été géré par le capitaine. Très bien.
C'est pour ça que ça m'a guaqué, ça m'a... Bon. Donc on est d'accord, j'ai replanté, ouais c'est bien. Capitoun, capitoun, quand j'ai fait l'inventaire de nos vivres, on a des pommes de terre et du poisson. C'est-à-dire qu'on pourra faire le célèbre plat anglais de fish and chips. C'est délicieux. Ah vas-y, j'en veux un, vas-y, fais-le tout de suite. J'ai pas la recette, capitoun, mais un jour viendra. Oula. Cette scène d'une grande violence. Je suis un homme violent. Et ah je l'embroche les mauvais marins sur ma lance. Oula, je vais en me rentrant cacher, par l'orifice arrière. Ah, oh, je n'ai rien entendu. Oh. Je vais me cacher. Et c'est horrible, tu fais référence à un épisode d'X-Files. Il y a un mec comme ça dans un épisode vers la fin de la série. Là, ça devait être un délire des scénaristes. Où il y a un homme nain. Et en fait, il a la particularité de se loger dans l'arrière-train de ses victimes. C'est très particulier. Oh. C'est un gros délire, mais... Voilà. Il a dû fumer avant de faire le truc. Hein. Je pense aussi, possible. Oui. Voilà, donc j'ai fait ça, et donc je vais pouvoir faire ça avec... Moi, je sais qu'il y en avait quelque part. Ici. D'ailleurs, je rigole, mais je suis en train de me dire qu'en vrai, dans la vie, j'ai encore jamais savouré un fish and chips, comme ça voulaient faire les Anglais. Ça aussi, je m'étais dit que je me ferais un jour un petit déjeuner à l'anglaise. Au réveil, avoir une omelette avec leur, je sais plus là, leur recette. Il m'a croqué. J'ai encore jamais fait. Je me souviens quand j'étais au collège, on avait fait un voyage en Angleterre pendant une semaine, je crois. Mmh. Et petit déjeuner, donc du thé au lait. Ce qui se fait fréquemment là-bas. Ah matins. Ouais. Et petit déj salé. Donc, bah, tant mieux, Lynn, si on y voit bien. Du coup, désolé, toi, parce que... j'ai fait non, non, pas pour moi le matin. Je pense que j'aime salé. Mais c'est vrai qu'ils ont des particularités culinaires le matin. Non, moi, il y a une chose que je redouterais dans l'art culinaire anglais qui me ferait peur, et pourtant, s'ils en mangent, c'est que c'est comestible, mais je crois savoir qu'il y a eu quelques accidents, c'est leur fameux pudding, là, leur gâteau qui laisse moisir en haut d'un meuble pendant des mois. Là. Ils font comme les Allemands, saucisse curry au petit déjeuner. Ah, ah, je connais pas ça. C'est bon, c'est plein. Oui. Saucisse curry au petit déjeuner, waouh. Ah, je goûterais bien, moi, en vrai, ça me donne faim. Bah, en petit-déj, waouh! Il est 10h30, bon appétit pour ceux qui commencent à avoir faim. Ou qui ont un décalage horaire ou je sais pas quoi, oui. Alors, Edge, mon petit Edge, il est. Ah, le mousse! C'est sous tes pieds là. C'est pas... Tu l'as récupéré? Non. C'est passé à la flotte, putain. Là, c'est remonté, non? Hop, les bouteilles vides. Ah oui, je le vois à travers le radeau, mais... Hop. Tiens, je les récupère, je vais te l'envoyer. Tiens. C'est ce que j'avais fait aussi. J'ai dit, je l'ai pas récupéré. Elle est au sol, là, le carton. Au niveau de l'inventaire. Je la vois pas. Bah, attends. Là, dans le coffre. Et j'ai des soucis de vue. Oh. Oui, j'allais dire, c'est pas tout d'avoir le schéma de la paire de jumelles. Moi, je prends un requin volant avec la flotte. Ouais, j'ai dit aussi. Le requin volant, la légende. Quatre. Voilà. Après le volant des volants, la légende du requin volant. Tiens, le sage. Hop là. Ah, à cuir. Ah, mais qui du cadeau? Non, mais vraiment, la bouteille, elle est du requin. Donc la bouteille, si tu la remplis, tu peux la remplir 5 fois. Donc avec le gobelet, il faudra remplir le truc d'eau 5 fois. Autant de fois. Ouais.
terrible. Mais je vais t'aider, ça sera plus simple. C'est logique. Da, 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 da. Bien. Je vais faire un dernier tour puisque le requin est parti. Ouais. Ouais. Là, je... Oh joli! Moi j'ai eu la, j'ai eu la moitié. Joli, joli. Il a dû avoir une oh là là. Tu peux mettre les deux cuisses de poulet dans ton coffre pour faire cuire. Ouais, volontiers, merci. D'ailleurs je vais en piquer deux à manger parce que j'ai la dalle. Là je suis en train de faire cuire le requin. Et ça cuit un peu plus longtemps que d'habitude, c'est pas tes autres aliments, c'est normal, c'est consistant, ça nourrit bien. Alors que la mer est toujours agitée. Waouh. Mmh. Alors. Ça, l'origine. Ah bah non, il faut que je fasse ça. Oh putain. Ah non, c'est. Champignons. Merde, putain, je suis tombé à la flotte. Ah, dommage. Un homme à la mer, c'est le capitaine. Ça là. Ah, voilà. Va falloir qu'on trouve une île moyenne ou une grande. Ça c'est cool. Si je sais ce qu'on a pas mis qu'on va mettre. Je vais me réinstaller pour mon confort. Et trop long. On va faire ça pour moi. Hop là. Oh mince. Oh, ça c'est marrant, j'ai fait une capture d'écran accidentelle, c'est rigolo. Tac, 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 tac. Oh. Je vais faire un tour dans les fonds marins par là. Le sable et l'argile, c'est pas la peine de trop en récolter pour l'instant, parce que ça ne compterait pour rien. Okay. C'est vraiment ferraille et métal. Quoi. Mais la ferraille et métal, j'en vois plus. Oh, nous avons une voile. Ah non, c'est le succès qu'on a dû déverrouiller, je pense, avec la voile que j'ai entendue. Et non pas une capture d'écran accidentelle. La voile déverrouillée, c'était la... Ah, bravo, bravo. Non mais là de la déployer, c'est joli. Oh, ça flotte au vent, ouais, c'est bon. Ça nous après, la déployer, enfin, oui. Faudra pas descendre la voile tant qu'on a l'ancre, hein, parce que. Ça arrache tout. Il y a un incident, le masse brise. Non. Mais déjà, ça sert à rien. Et puis la voile, on la mettra pas tout le temps. On la mettra que quand on en a besoin. Au début, on peut se laisser voguer par les flots. Voguer un peu, ouais. D'accord, Caputo. On peut se laisser mener par la merde. Par la bonne tour. Ce que je voulais faire. Redescends l'ancre. Par la bonne tour. Faudra qu'on enlève un peu les. C'est la bonne tour. Ok. Et puis donc. Oula, oui, ça, voilà, faut aller chercher loin l'eau maintenant. C'est fou. Alors, il va me falloir. Tac, 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 tac. Ah, mais qui c'est qui a... Quelqu'un qui a récolté ce qui était dans les pours? Oui, j'ai tout mis dans le coffre. D'accord. Ouais, maintenant on va faire cuire le métal puisque. Je crois que j'ai mis 5 pour cuire de doucement. Donc il me faut que 3 cartes. Je suis sûr que les trucs. Ah, oh, pardon, je me disais bien, je commençais à entendre sourd avec mon casque. Un bon coup de dessus, ça le fait remarcher. Ah bah d'accord. Viens lâche. C'est bilingue, il faut. Et bonjour Aerostar, comment vas-tu? Oh, bonjour Aerostar. J'espère que tu vas bien. Salut Aero, j'espère que tu vas bien. Pardon. Oui, t'as vu ça, Aerostar, tu peux t'enorgueillir que tu vois, en groupe de copains, grâce à ta communauté, on est tous dans la même galère. Capitaine Petit Seb, Torota comme la semaine dernière, mais Edge Club nous a rejoints.
Ouais, donc c'est bon, ça c'est grâce à moi en fait, voilà. Bonjour Nashevman. Allez, revenez dans quelques mois, ce sera la croisière s'amuse. Ouais. On sera à 12 à bord, allez, ce sera un énorme paquebot. Venez, j'offre Raft à Hero, il nous rejoint aussi. Ah. Ce serait énorme. Oh le bordel. C'est rigolo. Ouais, on va bien, merci Aerostar. Déjà, j'avais dit à Hero qu'il fallait que je lui offre Minecraft, j'ai toujours pas fait, faut que je le fasse. Lui offrir quoi? Minecraft. Oh, qu'est-ce que t'as pas dit là? Ah, si Aerostar se met à Minecraft, je lui ouvre grand les portes de mon serveur communautaire. Je serai honoré d'avoir la visite d'Aerostar sur mon monde virtuel. Justement, j'y reviendrai en détail toujours au 1er janvier là sur mon bilan de chaîne, mais je prépare des choses, ça bouge, Minecraft entre autres choses. Je vous en ai un petit peu parlé ce matin et c'est bien. Oh là 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 là, que de choses à faire, c'est merveilleux. Ça va le dépayser avec tous les jeux qu'il fait d'horreur ou d'action, fiction. Il y a de l'horreur des fois dans Minecraft. Oui, il y a de l'horreur dans Minecraft, mais... Tu as le choix du métier, du profil en fait que tu peux épouser. Tu peux être touriste et juste visiter de temps à autre, un peu comme fait Christella chez moi. Elle vient visiter ce qu'il y a de nouveau de construit, d'établi tous les 6 mois et c'est super agréable. Chacun vit Minecraft comme il le souhaite. Alors, Christella dit, à peine arrivé dans Minecraft, Aerostar ira se battre avec le dragon et le warden à main nue sans armure. Il serait capable. Lui qui adore les défis fous furieux. Et le pire, c'est qu'il serait capable de gagner. Ça, c'est ça en plus. J'ai mis des betteraves sur le barbecue. Ah oui, alors attends, merci, bien joué, Jay. Moi, je vais faire justement la récolte et cultiver la suite. Ouais, mais si tu t'affrontes à l'Underdragon, tu vas avoir les Enderman tout autour. Donc, du coup, faire gaffe à ne pas regarder dans les yeux les Ender pendant ton combat. C'est terrible. Ah oui, c'est vrai, putain. Ah oui, oh la vache. La vitesse où le truc c'est vidé, c'est fou. Non, c'est logique. C'est logique. Non, bah c'est bon. La vitesse. Nous au taquet. Je sais pas si le requin est revenu. Non, pour l'instant, j'ai pas vu. Il est dans la flotte. Ok, je vais m'éloigner loin. Par si, il arrive. Ah. C'est bon, c'est pas grave, je suis loin, il m'a pas vu. Okay. Les lingots de métal, je les range, ils viennent d'être cuits là dans les fourneaux. Oui, oui, tu les ranges et puis tu peux en mettre d'autres. Hein. Tu peux continuer. Ah, c'est fini les algues, on a tout cuit. J'ai tout cuit, ouais. Waouh. Bon, bah on va faire le métal. Je voulais faire tes jumelles, mais comme il y avait d'autres choses plus importantes à faire, bah tu les auras pas. Non, mais ça viendra plus tard en confort, je le devine. Non, puis là, je suis vraiment accaparé à faire la cuisine parce qu'il y a plein de trucs à cuire. C'est bien, on a un bon rythme de récolte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, on va faire des coffres blindés de bouffe, ça va être extraordinaire, top confort. Le requin s'est accroché au radeau, je crois, du coup, je l'ai tapé. Sauf que je suis tombé dans l'eau juste après. Ouch. Ah oui, d'accord. Pourquoi il vient vers moi? Mais okay. Repars au radeau, mec. Repars au radeau. Ah ouais, il est allé loin, là. Ouais, mais surtout que ma lance, encore un coup, et puis j'en ai plus. Bah voilà, c'est fait. Tu veux que je t'en fasse une? Le problème c'est pas la lance, c'est d'arriver à retourner en zone safe. Ah, attends, mais je vais monter sur l'île, puis je vais surveiller. C'est bon. Non mais c'est bon, attends. De toute façon, je pense que on va repartir. Hein. C'est le capitaine qui décide. C'est le capitaine. Ah, il y a presque plus de bois. Hein. Ouais. Ah. Mais ça, c'est pas grave. Tu vas battre des records sur les mers de récolte de bois. Ah, bah, va falloir, hein, parce que. C'est pas fini d'agrandir mon bateau. Hein. Bah, oui, il faut refaire une rangée de récolteurs. Ça, ouais. Merde, j'ai pas de lance. Ah, merde. Ah, ouais, mais il est sur la pod, donc c'est bon. Oui, donc ça va. Oui. D'ailleurs, bon, bah j'ai plus rien à cuire. Bah si, je dis des bêtises. J'ai des betteraves crues sur moi.
cuisine, ouais. Pardon. Non, le requin. Bon, Let's go. Non, il va falloir que... Il faut que je construise un petit truc juste pour qu'on puisse être tranquille. Des assises. Ah putain, il faut des clous. Il y a plein de rimes de chaises. Capitoune, je peux fabriquer une chaise. J'en fais qu'une seule et après on jouera aux chaises musicales. Oh, qui c'est? Tu veux aller, pourquoi pas. Batterie basique, téléviseur et une espèce de... Oh mon dieu. Augmenter le numéro, diminuer le numéro. Ah, attends, ah, attendez, un, je vais deux, vous expliquer trois. Comment ça fonctionne, mais il faut que je finisse ce que je suis en train de faire. Il y a des tubes colorés au sol numérotés. C'est un dispositif de feu d'artifice. Il faut mettre trois antennes, je pense. Et je pense que c'est pour avoir un signal de, je sais pas, radio, je sais pas. On va contacter les extraterrestres. Alors j'ai plus de bois encore. Putain, le bois ça part tellement vite. En attendant, ça aide bien, là, on a bien. Ça a grandi assez rapidement. C'est plutôt cool. Oh là là. Ouais, plus haut. Ah, vas-y, il commence à me gonfler. Hein. Ah, et j'ai encore faim. Oh, mon dieu. Il y a une mouette sur le... Oui, le navire est en train de prendre une forme folle. Ah, Torota qui est monté sur le barbec. Alors, on a froid au pied. Oui. Hop. Voilà, ma bouillotte. La bouillotte. On peut faire des bouillottes. Extraordinaire. Il monte encore sur le barbec. Cet homme est fou. Oui. Oh, tempête, il y a une averse. Et je la soume. Ma folie. Ah, chic, je peux te récolter mes betteraves. Tu le jarreau ? Non, je fais, merci, t'inquiète pas, Edgy. Pour l'instant, je fais cuire le cuivre, comme ça. Ah, bien. Y'a plus d'appât. Il n'y a plus d'appât, nous sommes à bois. Bien joué, Mickey. Remplir d'eau douce. Non, bah non. J'espère que ça sera assez haut comme ça, là, sinon il va me casser les couilles. Il va me falloir encore masse de bois. Alors le balbuc. Le balbuc. Est-ce qu'on a la mouette? Encore une mouette? Oh mon dieu. Vas-y, viens là, le requin là. Vas-y, viens me battre. Il attaquera le cube. Le radeau. Ah, d'ailleurs, je vois qu'il a attaqué déjà un peu. Voilà. Oui, j'ai pas réparé parce que je suis sur ma construction là. Oui, t'inquiète, je vais faire un petit peu. Waouh, la houle est folle. Waouh, c'est la haute mer. Oh, la marée haute. Tiens, voilà cette tempête. On voit que du ciel bleu. Doit être placé plus haut. Non, mais il se fout de ma gueule. C'est pas possible. Ah, bien. Sauf si c'est lui qui doit être placé plus haut. Je vais ouvrir quelques cadeaux. Alors. Putain. Une table. Elle est grande, elle est jolie. Une citation inspirante. Une plume d'oie. Enfin, un encrier en fait. Un tapis. Oula, bizarre le tapis. On dirait un paillasson. Une étagère. Bah attends, je lève l'encre, hein. On va pas rester sur place pendant 15 ans. Et un canapé. Voilà, faire le canapé. Mais c'est pas celui de Drucker. La. C'est un autre modèle.
Oui, mais t'as trois modèles de canapé, du coup. La monoplace, deux places, et puis avec un angle. Deux places avec un angle. Oh là là, on peut faire... De... Mais vraiment, je crois qu'on peut faire un paquebot. Un paquebot de luxe à la fin. On va être, je sais pas combien dedans, ça va être trop bien. Bah, il me semble que dans les images Steam, sous le jeu, j'ai vu un paquebot. Waouh. Les gens qui font un paquebot. Je crois bien qu'il y en a, ils ont fait le Titanic, pour te dire. Ah putain, mais... Hop là. Ouh, j'ai les réflexes. J'arrive pas à nous sortir de là, en fait, le bateau bloque. Non, mais le début, c'est juste immonde, hein. tant que t'as pas ce qu'il faut pour piloter, quoi, c'est... Mmh. Armoire à trophée. Oh, y a des choses à faire. Ah oui, alors là il faut avoir la frénésie sur mer au niveau de du bois récolté. Presque on peut se faire un jeu, celui qui a plus de planches gagne. Bonjour la Jed. Shakai. Coucou la Jed. Farm dans les hop, je pose la rame dans ce coffre là. Hop. Parce que moi je vais construire, donc je peux pas, je vais pas pouvoir m'en occuper. Est-ce que tu captes bien, Edgy? Hein? Est-ce que tu captais bien quand t'étais là-haut? Oui, je captais bien. Ibi. On mettra une planche, viens là, télé. On mettra une télé, on mettra les dents de la mer. Oui. Steven Spielberg. J'ai eu une planche, j'ai gagné. C'est bien. Et l'épisode 2, ça sera le dentier de ma grand-mère. Oula. La suite de logique. Parfait. Oh. Waouh. Je m'écarte parce que je vois que le capitaine bâtit quelque chose. Oh, vilaine mouette. Non, non, tu bouffes pas ma récolte de betterave. C'est GG. Hop là. Le tonneau, le tonneau. T'as lancé sur le truc en plastique. Et ça atterrit sur le tonneau. J'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je sais pas si ça vous le fait, mais j'ai l'impression que le jeu lag un petit peu de temps en temps. Là, il a du mal à nous gérer tous en même temps. Ouais. Hésite pas à faire une petite sauvegarde, Torota, pour que ça. Normalement, ça sauvegarde le monde, ça synchro un peu tout le monde. Ouais. C'est bon. Par contre, tu peux. Si ça vient sur toi, tu n'es pas obligé de lancer le grappin, tu vas chercher juste directement comme ça. Ouais. Ça t'évite de l'user. T'économises la solidité de ton grappin. Ouais, si le requin est pas là, ouais. Bon, je me suis énervé, j'ai fait 19 clous en trop, mais c'est pas grave. Y a un ratio à tribord. Tribord? Ah ouais. 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 Le capitaine, il sait pas où c'est tribord. Hein. Alors tribord, c'est à droite et bâbord, c'est à gauche. Wouh, le squall va me coquer que. Dans ce cas-là, il est à bâbord. Hein. Aïe. Je sais même pas dans quel sens on va là. Je vais sur le radeau abandonné là. Ah ouais. J'ai réussi à avoir le tonneau. Hop là. C'est bon, c'est récup. Ah bah il était là. Je cherchais le requin mais il était en train de me croquer le cul. Le coquignon. Il t'a trouvé avant. C'est ça. C'est moi qui l'ai trouvé d'abord. Hein? Tu l'as aimé? Il y a quelqu'un qui peut jeter l'encre? L'encre, elle est où l'encre? Je la vois même pas. Elle est pas de mon côté, je peux pas, désolé. Il y a une manivelle sur un côté. Et moi, pendant ce temps-là, tourner la manivelle. Oh, vilaine mouette.
Non, tu ne mangeras pas mes betteraves, vilaine mouette. C'est bon, c'est en train de se faire. Merci. Voilà. Où est le mousse? Oh, alors, un de bonnes choses que je viens de récupérer. Du boulon. Oh! De la charnière, de la ferraille. Capitoun, capitoun! Je pense que c'est une île moyenne derrière nous. En cuisine, on pourra préparer des noix de Saint-Jacques. Ça donne faim. Alors, ça, puis il me manque de plastique. Mais ce qu'elle est là? Ah oui, le rafio il coule. Qui a récupéré la rame? Personne. Ah, pas moi. Il y a deux rames là. Il me faut deux rameurs. J'en ai une sur moi. Ah, mais tu t'en as fait une aussi? Ah oui, je le vois devant. Ok, ça marche. Je sais pas ce que tu veux faire. Non, mais rame pas pour l'instant. Il y a l'encre. C'est pas grave. Le sage, Torota, venez. Oui. Venez remonter là. Oui. Et... Donc, en fait, depuis que j'ai fait la radio, si vous ouvrez votre livre, de base, c'est la touche T. Il y a un onglet qui s'appelle Radio Tower 6924 qui est apparu. Oui, oui. Alors moi, 6924. Oui. Non, mais c'est le premier point où il va falloir aller. Il est apparu, mais on peut pas, en cliquant dedans, on peut pas. Ah. On voit rien. D'accord. D'accord. Ah oui. Donc là, il va falloir faire attention. Pourquoi? À ne pas laisser allumer tout le temps la radio parce que ça va bousiller la batterie et que pour l'instant, on peut juste en refabriquer. D'accord. Donc, on allume. Et là, donc, 69, c'est déjà 24. C'était 25, non? Donc, on a le levier sur le côté pour changer de chiffre. Et puis ensuite, c'est 24. C'était 24. Voilà. De toute façon, voilà. Et une fois que c'est fait, l'île qu'on pointe, elle apparaît en bleu sur le radar. Et en vert, c'est les autres îles. Ok. Ça marche. Voilà. Ah, oh là là. Voilà. Bon, déjà, hop, moi je reprends ma rame. T'as une rame aussi, Torota? On va essayer de rejoindre l'île. Ça marche. J'ai pas tout compris, mais j'étais bas. Allez, c'est parti. Je l'ai relevé. Parce qu'en ramant à deux, ça va aller plus. Plus vite avec plus de force. J'ai l'impression que c'est au moins une île moyenne. Et ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être potentiellement commencer à faire des choses intéressantes. Sauf si on. Enfin, peut-être. Il y a un tonneau sur ma gauche. J'y vais. Allez, maintenant je vais faire cycle de pommes de terre. Touk. Alors, est-ce que c'est une île moyenne ou c'est peut-être une petite île seulement. Je vois qu'il y a une caisse aussi. Je rame de moins en moins bien parce que je commence à voir. Qu'est-ce qu'il y a, AJ? Qu'est-ce qu'il y a? T'inquiète. Il s'est fait bouffer le tuteur de requin. J'ai pas du tout failli mourir. Alors, il fait des bêtises. Pour la caisse. Oh, mais putain. On a échoué, Capitoun. On a échoué sur une île. Il y a du bois. J'ai eu un cadeau. Oh, c'est bien. Encore des moitiés. Une table, bien joué, Jay. Nous avons appris à faire une table. Il y a plein d'algues là-bas. Je sais que le capitaine les veut. Ouais, on va en avoir besoin. Oui, je plonge. Tiens, j'ai trouvé un ananas. Alors, occupe. Aïe aïe aïe, le squall m'a croqué le cul. Ah, j'ai trouvé la recette du smoothie simple. Oh. Pourquoi pas. Vite, faut que je remonte vite là parce que s'il me remord, là je vais être dans le mal. Alors, cuisson d'algues.
Voilà, c'est cuit. Oh, alors ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce que t'as trouvé? Il y avait un endroit où... Ah ouais, il y a rien. Mais c'est bizarre. Il y a une habitation, donc je pense qu'il doit y avoir un coffre caché pas bien loin. Ah. Oh. Non, c'est ça va. J'entends le requin croquer le navire. Bizarre. Parce qu'il y a eu une embarcation qui a pété ou un truc comme ça. Donc ça m'étonnerait pas que... Banco, qu'est-ce que je... C'est lui-là. Non, c'est pas... La ferraille, je l'ai bien torché aussi, donc si on peut en récupérer, c'est bien. Fais attention, t'as le requin pas loin de toi, Torota. Ouais, effectivement. N'entraînez pas ici. Ah, bah le requin est sur moi maintenant. Il est passé où? T'es où, mon genre de fesses là? Ah, bah t'es là. Salaud. Salaud! Ah, mais voilà la grotte que je cherchais. Attends, je veux la faire avec toi. Ok. Et je t'attends, je me remonte. Je remonte juste pour l'air. Fais attention. Je récupère juste. Ah putain. Ah ouais, le requin est là, ok. T'es loin du bateau? Non, non, je suis sur le bateau. Bah tout le monde est sur le rafion en fait, il n'y a plus personne. Est-ce que... Attends, je vais aller est-ce couper que... du bonjour tout le monde, vivement le mois prochain pour fêter le 22e mois, je troll. Ah oui, non, bonjour, ça suffit. Bonjour jeune fan. Je vais couper les aussi. Arbres sur l'île. Bah coupe ce qui reste. Je me suis fait une hache toute neuve. Je j'ai une noix de coco. C'est délicieux le lait de coco. Oui, l'entrée est... Ah mince, il est parti sans moi du coup. Non, 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 non. T'inquiète, mais là j'ai le requin, il va falloir que je fasse une canne à pêche pour qu'on puisse le défoncer, parce que sinon ça va être... Mais une canne à pêche, il y en avait une dans un coin. Il y a quoi ici? Oula, elle est bizarre cette île. Le relief est accidenté. Oui. Ah, il y a des choses ici. Attends, déjà, il faut que je remette 2-3 trucs là dans le coffre. Non, c'est pas comme ça. Ouais, non, mais moi aussi. Parce que là, j'ai pas envie de vous faire... Fichtre, merci pour ta générosité. Les gains des abonnements, entre autres, vont dans la cagnotte de la chaîne, qui permettront d'acheter des jeux, de ça, faire des projets en commun. Je vous tiendrai au courant régulièrement, mais un gros merci. Hop. Oui, merci je suis à la moitié. Et bisous. Merci. Et bien joué. Merci et bisous. Merci. Et merci pour ton réabonnement, FunFan, c'est adorable, merci tout plein. Pourquoi je peux pas interagir là, je comprends pas. Ah là j'y peux. Oh c'est bizarre. Attends, je fais le tour de l'île parce que j'ai pas fini d'aller au sommet. J'ai pas vu ce sommet de l'île, il y avait encore un arbre. Ok. Attends. Je pense que ça se voit depuis un petit repérage de où est la grotte. Ah oui, il n'y a plus d'arbres. Et en plus, il fait nuit maintenant, ça va être la merde pour que je retrouve. C'est pas faux. Mais non, la grotte, elle doit être juste. On est vraiment. Elle était, elle était sur la gauche du bateau quand tu regardes l'île, non? Sur la droite. Je vais l'être pour mais je sais plus, comme j'ai vu, j'étais en manque d'oxygène, je suis remonté vraiment très très vite. Bon, je fais de la pêche déjà pour le requin. Comme ça. Alors, je gère la flotte. Hop. Une bougie en bouteille, magnifique. Oh. Vive la pêche. C'est la troisième que je pêche. C'est incroyable. Il
fais une cérémonie occulte avec les bougies en bouteille, t'en récoltes 6 et tu fais un pentagramme avec. Oh putain. On va faire des incantations plus. Oh mon dieu. Tu crois que je t'ai pas vu le requin là? Allez, viens, viens, viens. Viens pour ta gueule. Je peux le faire. Ouais, je vais pouvoir le faire. Attends, j'y arrive. Il me faut de la corde et c'est bon pour moi. 1, 2. Castagnol le cru. Qu'est-ce que c'est que ce poiscaille? Ah, si tu me le passes ou tu le poses sur le grill, on peut le cuire. Oui. Tiens, vas-y, Adjie. Hop, j'ai lancé la passe, c'est bon. Attends, j'adore pêcher dans les échauvés. Vous avez la faim qui est au bout du rafio, donc si vous voulez buter le requin, vous pourrez, ça fera de la... Une pièce de viande. Ah, d'accord, allez, moi j'ai disqué, voilà. Bien joué. Alors, faut que je retrouve le... La droite ou gauche, déjà. Mais je sais plus, je crois que c'est... Ou du haron. Et comme je vois rien... Étant donné que j'ai presque fait le tour sur la gauche, ça devait être à droite. Ouais. Mais tiens, Edge, je te restitue ton poisson cuit. C'est toi qui l'as pêché. Ah, mais t'as le requin au cul là, petit Seb. Alors... Ouais, je l'ai senti. Il est sûrement disparu au fin fond. Oui, mais il est sur nous. Mais non, il est sur la boîte. Sur le coffre, tu le vois pas? Oh là, j'ai une entrée. Ah si, il est passé. Ah, il est passé sous l'eau. Oula, il y a un petit bug. Bah, j'ai une grotte sous-marine, c'est pas dit que ce soit l'entrée. Non, tu sais, c'est là. Voilà, c'est moi, j'ai eu. Ah, peut-être, attends. En fait, avec la houle, il y a les objets disparus. Ouais, le requin va sur vous, messieurs. Allez, c'est parti, il est dans la pêche. Capitoun, on vient de faire et on a récolté 15 substances visqueuses. C'est bon. J'ai un petit saumon. Voilà, je le mets là-dedans. Faut pas hésiter à en remettre. Hein. Le sage, viens voir. J'arrive, qu'est-ce qu'il y a? C'était juste une micro-grotte avec... Le saumon, il est gros. Il est magnifique. Waouh, t'es bon pêcheur, Edj, bien joué. Parce que normalement, à la droite, tu devais avoir deux minerais de fer. Je les ai récoltés, mais c'était une fausse grotte. C'était juste un endroit sous un... Okay. Ouais, non, mais en fait, il n'y aura pas de grotte à proprement parler, je pense. On va se faire des toasts pour Noël. Le requin, tu m'auras pas, je cherche pas. Tu laisses gérer la cuisson. Vivi. Le sage. Je reste au barbecue. Je pêche. Ah oui, vas-y, t'es doué pour la pêche, trop bien. Voilà. J'adore. Trop bien. Il n'y a plus qu'à attendre patiemment. Il faut que j'ai mes récoltes aussi. Allez, vas-y, je pêche avec toi. Ça fera deux fois plus de poisson. Ça me fera des choses à cuire. Ouais. Bah, j'ai cassé par macro, tiens. Pourtant, j'ai que l'appât de base. Macro aussi. Non, mais en fait, c'est juste que c'est vraiment plus du hasard parce que tu vas pêcher. Mm-hmm. Tu peux pêcher un poisson-chat, tu peux pêcher un macro, tu peux pêcher une chaussure. La classe. Une bougie dans une bouteille aussi. Mm-hmm. Donc, t'inquiète, tu risques de... Pas mal de choses. Ouais, ouais. Tac. Tiens, un poisson-chat. Alors, je vais mettre... Les deux harengs. Requin est mort. Le macro. Oh, nice. Cool. On va pouvoir aller faire les fonds. Tout le monde à faire les fonds marins là. Enfin, sauf un qui reste pour surveiller les cultures.
quelqu'un le sage et si tu bah, je fais la cuisine et je surveille les cultures, okay. Allez-y. Je la prends au pire. Maintenant. Moi j'adore faire la cuisine, c'est peinard, ça est super agréable. Et moi je pêche, j'aime pêche. Ouais. Non, c'est bon, bien, on est bien organisé, chacun son rôle, c'est cool. Je vais retourner de ce côté-là parce que j'avais déjà commencé. Je vais de la côte. Et... Ah. Ouais, c'est vrai. Nous comme façon, ça, c'est relax. Je crois que j'ai récolté un peu. Donc je mets la viande de requin. Hop, oui. Le ferrail de ce côté-là. Vas-y, LJ. Ah, bon. Tu vas avoir bientôt un repiquage de pommes de terre à faire, c'est trop bien. Et bonjour, Sanfana, comment vas-tu? Hop là, belle ferraille. Super! Oh, mais il y a encore plein d'algues là. Attends, il faut que je remonte mon pomme de l'air. Ah non! Hop. Alors attends, Nash, je vais l'arranger dans mon inventaire parce que j'aurais. Ah, il y a des minerais, mais ils sont bas. Les minerais bas. Pour avoir de l'apnée. Pour réussir à. Alors attends, il me semble avoir trouvé la grotte, Tiseb, donc je sais pas si c'était celui-là ou pas. Voilà, hop là. Si t'as trouvé la grotte, normalement s'il y a une grotte, doit y avoir au moins un petit tas de terre dedans pour récupérer de la terre si t'as, si t'as toujours la pelle. Ah non, faut que je remonte. Là, il y a des minerais, ils sont super bas. Il me faut quasiment toute ma respiration juste pour aller récolter un minerai. Ouais. Ah non, en fait, c'est juste un tunnel qui traverse toute l'île. Ouais, voilà, mais c'est ce que je te disais. Ouais, bon, le seul problème avec les canapés, c'est que c'est très fragile. Oui, oui, bah t'en fais de temps à autre, il faut que t'assures d'avoir les ressources suffisantes pour le faire. Oh la vache, le ratio tombe tellement que... c'est pas la corde qui va manquer. Hein, j'ai même pas allé au bord parfois pour récupérer de l'eau de mer, tellement qu'il y a des vagues. Ça fait peur. Je vais attendre que tout puisse comme ça. Mais je suis descendu récolter des minerais justement. Parce que je sais même pas où ça va. Le requin est toujours là, c'est bon. Et le ferraille. Ah, mais je peux te crocher. Attends, je peux t'en donner un. Si tu veux. Bon, oh, tu sais, je suis à côté du radeau. Hein. Ah, un rond cuit. Ah, ouais, je vois la mouette qui descend. Ouais. Tranquille. Je la pique. Oh, Julien, on l'a piqué joué, tous les deux. Seb. Bravo. Vas-y, tiens, je te laisse la déposer. Oui. Miki. Je repose encore des salles. Je crois. Oh là, il n'y a même plus de place pour manger les plumes, t'as mis qu'en bas. Les plumes, tu peux jeter. Hein. J'ai eu peur, j'ai cru que le capitaine allait dire les plumes, tu peux te les mettre là où je les penche. Ah mais. Ah. J'aurais fait une palade. Mais sinon, tu peux te les mettre là où je pense. Hein, c'est pas mon problème. Hein. La tentation de dire était trop grande. Non mais si t'as des envies bizarres, c'est pas de ma faute. Hein. Non mais le pire c'est que j'ai fait un équivalent en vrai. J'ai cru qu'il allait dire le pire, c'est que j'en ai vraiment envie. Plus aujourd'hui, mais quand j'avais la vingtaine, je l'ai fait. En fait, faut que je vous raconte l'anecdote. Je sais pas si on veut savoir. Pardon, attendez, le requin il a été dépecé proprement des 4 viandes ou pas? Oui. Ah, c'est bien, donc faut plus le toucher. Ok. Merci. Non, c'était évidemment un contexte de fête. Hein, voilà, une fête de famille bien arrosée. Il était 1h, 2h du mat. Et il se trouve que, à l'époque, le lieu de la fête se passait à 2 rues de chez moi. Il va vraiment falloir décaler le coffre de bois, surtout qu'il n'y en a plus beaucoup dedans. Donc, quand je manquais d'un truc ou quand j'ai voulu rentrer de la soirée en pleine nuit,
J'ai remarqué qu'il y avait... Oh la vache, le poisson au chat, il est magnifique. J'avais remarqué qu'il y avait personne au niveau de la voirie à 2h du matin dans mon patelin. Et j'ai descendu, on va dire, dans un accoutrement particulier avec l'équivalent de plume dans le derrière. Les deux rues avant de regagner mon domicile. Et personne ne m'a vu, mais faire ça une nuit d'été, ça m'a fait rigoler. Au clair de lune, de... Voilà, c'était mon anecdote qui sert à rien. Merci à vous de l'avoir écouté. Et là, il y a un grand silence honteux qui s'est installé sur le navire. La la la, la 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 la. L'anecdote qu'on voulait pas connaître. 6 planches, 8 cordes pour une canne à pêche, c'est abusé. Je rappelle que les planches, c'est en réalité des débris de bois, donc c'est peut-être pas tant abusé que ça pour faire une canne à pêche potable. Ouais. Mais toi qui aimes pêcher, ça tombe bien, tu vas nous être très utile, Edge. Ah, c'est parce qu'il y a plus de planches, c'est pour ça que c'est plus. Ah, dommage. Dommage. En tant que cuistot, tu devrais toujours avoir un stack de planches sur toi pour... Bah ouais, c'est ce que je faisais, mais là on atteint la fin des réserves en bois, là c'est fou, mais... Ah bah je l'ai dit, hein. Ouais. Je dis, je suis autant dépensé en ressources pour construire que Torota Farm, alors... Non mais on va continuer à avancer, parce que là, oui, effectivement... Tu cherches quoi, Edu? Non, ça va. Tu remettais une algue en fait. J'ai fait un peu tout le tour. Ah, j'ai plus de bois sur moi non plus. Mais il a écrit le poisson chat. Le bois, je l'ai décalé ici. Ah bah non. Je l'ai décalé ici, là, juste à côté du plastique. Mickey. Hop, pardon, je prends les 20 planches parce que j'en ai besoin moi, pour la cuisine. Ouais, moi j'ai remis dans le four, mais le four c'est pas une priorité, hein. on peut attendre. Alors attendez, ça je te dis. Ça, tiens, si tu veux de la nourriture à faire cuire. Ah oui, je veux bien. Derrière toi, ça, ah, Mickey. Okay. Je vais me mettre en hauteur vite. Ça, la caillasse, hop, je peux là. À récolter les pommes de terre. Ça. Là. Ok, nickel. Bon. On avait deux. Il y avait deux. Tu veux que j'ai le blanc entre Tissab? Sur le deuxième, oui, tu peux. Milo, t'as été délocalisé, Jay, je crois savoir. Ouais, et si vous avez vidé sur celui-ci, en fait, je vais le délocaliser aussi. Il y a le requin qui est en train d'attaquer quelque part. Oh. Il a l'oreille, le capitaine, il a l'oreille. Ça fait des années que j'affronte cette sale bête, je la connais par cœur. C'est bon. C'est l'expérience du capitaine. Non, le poisson, reviens là, je voulais te manger, je voulais pas que tu... disparaisses, je sais pas où. Bon, bah tant pis, j'en prends un autre. Là, sinon, je vais crever donc. Et t'es où, Eddie? Je suis au bout du bateau. Ah oui, ok. Est-ce que tu voles? Le bateau, attends-moi! C'est bon. Ah, c'est joli comment qu'elle s'ouvre les pommes de terre une fois qu'elles sont cuites. L'animation est extra. Voilà, puis comme ça, là en plus les trucs d'eau je les ai posés tout au bord parce que déjà bah, y a la flotte juste à côté. Et puis comme je les ai renforcés, de toute façon le requin peut pas attaquer, il peut pas les détruire. Magnifique! Ah, ça veut dire que si quelqu'un arrive à faire une embarcation avec tes renforts de côté à 360 degrés. En fait, ça conservera son intégrité, c'est ça? Oui, le requin attaquera plus le bateau.
Extraordinaire. C'est pour ça, là. C'est pour ça quand je dis il peut plus attaquer avec le cul du bateau, enfin avec le rire du bateau, ben c'est vrai parce que tous les trois autres côtés sont renforcés. C'est génial, j'adore. Je te laisse récupérer, je vais mettre des trucs avec eux. Oui, vas-y, Edge. Donc ça moi, va je par maintiens là-bas. La chaleur du four. Tiens une pomme de terre, la betterave. Waouh. Je te laisse faire. Ok, Edge. Comme c'est le truc qui gère. Je mets juste le poisson. D'accord. Les vagues vont par là-bas. Hop. Oh, il y a une planche de bois. Planche de bois. Donc, si on met le drapeau qui va. Le drapeau. La voile qui va dans le même sens que le. Que les vagues, du coup, le bateau va beaucoup plus vite. Ah oui. Non, vas-y. Hop là. Faudrait qu'on ait des plus de filets de récupération parce que là. Ouais, mais je pense que je sais ce que je vais faire. Mais le problème, c'est que il nous faut du bois. Oh, ça arrive. Là. On va coster sur une grosse île et couper tous les arbres. Ah oui, ça arrive là. Oui, je vois du bois. Tiens, je vais essayer de le récupérer. Ah oui, ça va vite avec la voile, la vache. Ah bah du coup, j'ai loupé toutes les planches de bois. Merde. Je me laisse impressionner par la vitesse du navire. Parce qu'il faut 6 planches pour créer un filet. Hein. J'en ai 20. Oh, oh, il y a un tonneau. Torota, tu gères le tonneau. Oh, je gère. Il y a une cache. Vas-y, je te laisse gérer la cache. Je veux bien. C'est énorme. Hein. On a gagné du feuille de palmier, des planches, des cordes, du plastique et un paquet de décorations. C'est bao. Vite. Le four. Ah bah y'a plus rien à cuire. Oh mon dieu. C'est normal, j'ai géré. T'inquiète pas. Ouais, t'es un chef. Ouais, mais après, là, pour le moment, tu vois, la réserve de bouffe, c'est bon. Donc arrêtez d'utiliser le bois. D'accord. Parce que là... C'est le capitaine qui va finir au jabois. Alors, fais là. Attends, je vais gérer mon inventaire. C'est vrai que c'est le boxon dans mon inventaire, là. Oh là, pourquoi il y a deux... Hein ? Pourquoi j'entends bip, bip ? Parce que j'ai allumé la... Ah, t'es sur l'électronique. La radio. Ah, il y a le requin qui attaque. Ah, j'ai pu récolter une pomme de terre. Je peux récolter les pommes de terre. Hop là, je gère l'eau. Oh non, j'ai loupé la planche, dommage. Ah ah, il n'existe pas. Prends le risque. C'est bon, j'ai loupé. Le requin, tu m'as pas vu. Ah, merde, il m'a vu. Le requin l'a pas vu. Ah, j'ai pas réussi à l'attirer. Tu réussiras pas à l'attirer une fois qu'il est sur quelqu'un. Vous pouvez jeter l'encre, s'il vous plaît. Oui. Ah, le mousse gère l'encre. Ah, bon. Chez Bao. Ah oui, c'est parce que je le vois là-bas, en train de naviguer sur les barils. C'est ça. Il arrive. Je surveille du coin de l'œil. Pour l'instant, il n'a pas réussi à me toucher. Il fait nuit, et je vois plus rien. C'est la merde. Non, c'est la mer. Oui, aussi. Danser le long du golf, éclaire la mer. Placer pomme de terre crue. Ouais, bah, oui, je commence à avoir du lag. Pas bon, ça.
Oui, Torota, si tu peux, s'il te plaît, t'inviter à sauvegarder, histoire de nous resynchroniser. Yes. C'est bon. Ah, ça neige chez toi, la Jed. T'as de la neige. Oh la vache. Ouais, prudence, hein, pour ceux qui prennent la route où il y a du verglas. Soyez extrêmement prudents, ça déconne zéro. Oh, le gros poisson. Je vais l'encre. Ouais, poisson chat. Ça, je le fais. Voilà. Touk. Ah, je prends de la hauteur. Oh, c'est beau de voir le navire ici. Ça régale bien, ça remonte très très bien la vis. Tiens, si tu le veux, je te le laisse pour plus tard. Comme ça, t'en auras en stock. Allez, moi je bois un coup. Ah. Ok, il est bon. Tac. Il y a plein d'objets qui arrivent là. Mmh. Ouais. Ouais, je vais vous aider à récolter du bois. Allez, allez, allez. Oui, merde. Oh la vache, ça lag. Il faut que j'évite de courir sur le rafio parce que le jeu aime pas. Y'a du matos. C'est un jeu dans le jeu, c'est bon. Moi, je suis un angle du rafio pour ouais, récolter du. Ah, il y a des fichiers. Des fichiers. Des filets récupérateurs. C'est bien. Ouais. Ils sont à nouveau déployés. Putain, tiens, si tu veux, petit Seb. Il y a un tonneau. Il y a un stack de vin là, si tu veux. Il y a un tonneau à tribord, c'est-à-dire à droite. Voilà. Ouais, il est. Non, mais il est en face, le tonneau, il va arriver. Ah, bah c'est cool s'il s'offre à nous. Dans les filets, normalement. Ouais. Ah. Là, attends, tu l'as mis où le bois, ah, ton repas? Tiens, c'est ici. Ah. Moi, je fais priorité au bois, moi. Attention, le tonneau. Ah, est-ce que je mets la planche là-bas? Joli. Oh, moi, j'ai plein de bois à bâbord. Je le gère, hein, vous inquiétez pas. Pouk. Oh merde, j'ai loupé. On est bon. Attends, celle-là, je vais la chercher. Ouais, faut que je prenne mes repères. Le seul requin. Ouais, le Wells Call est à l'opposé, vas-y. Ah non, merde, non, oh la vache, ils se téléportent leur requin, c'est abusé. Et en plus je l'ai raté, bah voilà. Connard. Il me faudrait encore ouais, un bon stack et demi de bois, je pense. Capitaine, je vois quelque chose de bizarre qui se dessine à l'horizon, mais dans le ciel. Vous avez contacté les extraterrestres avec la radio, Capitaine? Oui, exactement. J'ai fait committee, j'ai appelé Maison et Maison arrive apparemment. Non, j'ai dirigé la voile pour qu'on aille vers la première zone d'histoire en fait. On va rencontrer sur l'île un conteur d'histoire et il va nous raconter des vertes et des pas mûres. Ce sera merveilleux. Il va nous raconter son histoire avec Ariel, la petite sirène. Ah, tant que c'est pas Ariel Dombal, ça va. Ça parle mal. Oui, j'ai gagné le tonneau. Il est où? Il est là-bas. Non, j'ai loupé la planche. Oh non, j'ai honte. Voilà. Je m'interdisais de louper le chopage de planche. Stub, t'as encore un stack. De bois là. Impeccable. Attends. Touk. Touk. Ah non, je sais pas. Bon, bah c'est plus facile. Ah, là-bas. Hop là. Ouais, là, il manque 6 planches. Fais voir ce qu'on a en réserve. J'en ai 3 sur moi. Non, mais c'est bon. Ok. Voilà. Mm-hmm. Ouais, maintenant, il faut refaire le stock de bois, mais. Ouais, je fais de moins. Oui, mais je ferai ça en haut. T'inquiète pas. Hein. Non, mais même là, déjà, moi, j'en récolte pas même, mal. Hein. Même là, hein, faut d'accord. Non, mais j'en récolte pas mal. J'en suis à 38 planches de bois. Je me démerde plutôt bien. Et comme j'ai fait ça, j'ai un peu passé le stock de cordes aussi, mais il reste encore pas mal de feuilles. C'est quoi cette installation? C'est pas une île. On dirait une plateforme pétrolière, presque. Je sais ce qui me manque. Qu'est-ce que c'est que ce
Ouais, faites attention parce que oui. Si tu peux faire un appât là pour quand on sera arrêté, le préparer. Oh, j'entends la vilaine mouette qui bouffe mes récoltes. Non, pas mes récoltes de pommes de terre. Faudrait que je pêche. Je replanterai tout à l'heure à notre tour. Je veux pas me faire picorer mes réserves de pommes de terre. Oui, 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 bah tu fais bien. Et moi, je suis en train de crever la dalle. Oh, bah non, faut pas capitoune. Bon, bah t'inquiète pas, il y a tout ce qu'il faut. Oui, mais moi j'ai plein de bouffe comme je suis le cuistot officiel. Et j'ai pas tout rangé et j'en ai pas mal. Oh, 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 il y a un tonneau là. Qui sera pas dans les filets. Attention, impact! J'ai gagné 3 planches. J'ai gagné 3 planches. Et est-ce que t'as récupéré du harangue? Du harangeur. Non, là j'ai une castagnole et un tilapia. Parce que harangue et castagnole. Eh bien, le castagnole, il faut que tu le gardes. Ça servira pour faire la pâte de requin. Un harangue cru et 2 cornes pour faire la pâte du requin. Ah oui, ok, je vois. Chez qui on arrive? C'est mystérieux. Bonsoir. Bon, je vous conseille de commencer par explorer les fonds marins. D'accord, capitaine. Comme ça, on reste un peu autour, donc voilà. Le requin, vas-y, viens là. Tiens, prends ça dans ta tronche. Ouais, t'as plus rien à picorer. Vas-y, reviens. Allez, arrête de fuir. Lâche. Et le voilà, le hareng. Parfait. Attendez. T'es où? T'es là. Je crois qu'il y a un problème dans le jeu, c'est moi qui course le requin et pas l'inverse. Je te passe le hareng. Comme ça, tu pourras faire la passe si tu veux, Jay. Tiens, le hareng est là. Et je te passe les 2 cordes en même temps. Ici, ici, là. Mais c'est grand comme installation. Voilà. Hop, voilà. Là, je vois. On dirait qu'il y a eu un recyclage de containers de cargo. Ouais, ouais, mais dans les sous-sols, déjà, il y a plein de ressources. Il y a plein de ressources sur le morceau de terre qui est en dessous. Donc il faut récolter déjà tout ce qui est sous l'eau. Oh là là. Ça va nous aider. Tu le mets où, là, pas? Oh, peu importe. Au bout de... Attends. Le raft. Tout de suite. Au bout du raft, comme ça, tu seras tranquille. Mais mets-le pas tout de suite, c'est ce que je te dis. Ok. Et bah, c'est où le requin? Ah, il a changé, il est sur quelqu'un d'autre. Ah, oui, sur moi. Je t'ai mis trop de coups de lance dans la gueule, tu me fuis? Ouais. Viens là. Allez, c'est ça, viens là. Reviens, gamin. Alors attends, moi je me refaire ma flotte avant de... Ouais, c'est ça, fuis. Regarde ce qui est marqué là-bas. Là-bas. Attends, t'es déjà où je te vois pas. Là où je lance mon grappin. Là-bas, il y a quelque chose d'écrit. J'ai bientôt plus de lance. Got quelqu'un you... peut faire une lance que je vais récupérer. I got you, Bruce. Got you, Bruce. Quoi? Non, mais tu la mets dans un coffre. Oh, le journaliste Bruce Toussaint est retenu en otage. Au secours. Bruce, ah merde, je suis mort. Je suis mort à côté du radeau si quelqu'un peut venir me chercher. Sur la droite quand vous regardez l'île. On va dire. Ok. À droite quand vous regardez l'île. Ah oui. Edge, lance là-bas si tu veux. Mais sur la proue du navire, le capitaine est mort. Après, le requin est presque mort. Je voulais l'achever pour pas qu'on ait à utiliser là-bas tout de suite. Mais... Ah oui. C'est bon. Oh, l'esquive. Joli. Voilà. C'était beau. J'étais bon. Bah, je l'ai attaqué, je l'ai touché, j'ai pété ma lance et il m'a pété le cul. Voilà. Eh bien. À ne pas déformer, mec. Tout se fait en ce moment, c'est bizarre. La. Quelqu'un m'a fabriqué une lance ou pas? Je peux faire ça pour vous, capitaine? Bah non, mais si tu es... si ça n'a pas été fait, je le fais, hein, t'inquiète. Ouais, je peux le faire, moi. Hop. Ah, on a pas assez de bois. Voilà, c'est pour le capitaine. Hop. Il y a 3 tonneaux là-bas, 5, 6. Merci. Wow. On va peut-être aller chercher un jour. Mais il faut tuer le requin d'abord. Faut tuer le requin. Il est où le vilain requin?
Il est là. Est-ce que tu as t'as pas lancé l'appât encore, Reggie? J'ai l'appât. Ok. Mais tu l'as lancé ou pas? Non. Ok, bah lance-le pas. Non. Je vois Torota qui plonge au fond des eaux. J'ai mis un coup au requin. C'est bien. Moi j'en ai mis 3 là. C'est pas évident de le toucher en pleine mer. Il est dans son élément, le vilain. Torota, il est parti le chercher. Oh, putain. Non, moi je suis allé récolter tant qu'il est pas à côté, surtout. Ouais, tant qu'il est sur moi, profites-en. Ah oui, on voit une partie de structure, mais sous l'eau. Il y a un voilà. Qui est sous l'eau. Il y a plus de requins. Allez, let's go. Je vais chercher les tonneaux parce que je suis pas loin au final. Yeah. Fort notre capitoune. Ah oui, je vous vois, c'est beau. Oh putain, on va se gaver. Alors, c'est un tonneau. Mer. Ça, je vais aller par là. Je vais aller prendre cela. Ok. Ah, mais. Mais Edge, il me pique mon loot, voilà, deux tonneaux, il m'a piqué un tonneau, j'ai vu. Oh le canaille. Oh, ben, tu sais quoi, les deux tonneaux et là qu'est-ce qui reste, tu je te laisse les ramasser, voilà. Ouais. Bon, il est loin, on peut visiter l'île. Oh. Mais non. Faut qu'on récolte déjà tout ce qu'il y a en dessous. Ouais, enfin, surtout la ferraille, et mais je sais pas si on. Je pense pas qu'on ait beaucoup de minerais de métal et de. Faudrait qu'on ait c'est bon. On va faire vraiment des écriteaux, des étiquettes parce qu'on finit par avoir tellement. J'ai 13 planches. Ouais, mais je vais encore agrandir pour qu'on se fasse une salle, mais il va falloir masse de bois. Oh là, ça rigole bien en ferraille ici. Quoi, un lance-filet? Ouh, j'ai récupéré une punaise de caisse. Circuit imprimé. Waouh. Oh, ça va loin. Circuit imprimé. Tu crois que j'ai utilisé quoi pour fabriquer? Oui, c'est vrai. Pardon. Mais ça va loin. Je reconnais. Citation inspirante. Presque trop parfaite. Ah. Oh, des roses. Ah, on peut faire des. Je le vois, le requin, il est en PLS dans l'eau. La peinture. Une autre plante. Voilà. December 12th. Oh, une nouvelle note est écrite. Ah, c'est ça le panneau. Ah, il faut faire des clous. Oui, faites attention, hein, si vous visitez le dessus de l'île, il y a des notes pour l'histoire. Hein. Oula. Oh, ouais, j'en ai récupéré une qui était dans l'eau. Justement. Ah, il était dans l'eau. Dans l'eau. If Celine is lost, we've got nothing. And now Sparrow is not talking to either of us. J'espère vraiment qu'on n'est pas le dernier espoir de l'humanité. Alors, j'ai pas tout suivi. Alors, il y a deux problèmes avec les sous-titres. Un, quand il y a deux lignes, c'est trop petit, on se flingue les yeux. Deux, au niveau de notre belle langue de Molière, les accents sont horriblement mal gérés. Et j'ai des caractères inadéquats qui apparaissent à la place. Mais bon, on s'adapte. Bon, bah, moi aussi, j'accoste le. Oh la vache, il y a des trucs en. Une cheminée, bravo, OJ. January. It's been weeks. Il y a des trucs à faire. Essayez de l'explorer ensemble, hein, ça sera plus sympa, je pense, pour vous. Il y a des trucs à faire en apnée. C'est quoi ça? I can't figure out why. Oula, attends, faut vraiment gérer l'oxygène parce qu'il y a des trucs à faire. Tout ce qui était au sous-sol a été fait. Pour être honnête, c'était sous la flotte. Ah, d'accord, ok. Là, vous êtes tranquille, mais vous pouvez venir parce qu'il y a encore deux étages à faire ensemble. Wow. Ouais. Donc, alors, pour me rejoindre, hop, je me mets au bord, comme ça, voilà. Pour info, hein, je gâche les sous-titres, mais c'est pas grave, parce que si vous appuyez sur T pour ouvrir votre bouquin, maintenant vous avez accès à l'onglet de la tour de radio et vous avez les textes récupérés à l'intérieur. Ah, c'est bien, je pourrais les lire tout à l'heure, posément. Très très bien. Donc, hop, Echi, le sage. Oui. Si vous voulez grimper, ça sera par ici.
Alors attends, déjà il faut qu'on te repère tôt ou tard. Okay. Ah d'accord, faut faire un peu de gym. Ok. Ouais, oui, là il y a un peu de plateforme à faire. D'accord, ouais, c'est un peu à la Dying Light. C'est ça. Ah, mais... Moi c'est ça qui est cool. Non, le sous-sol a bien été vidé. Apparemment le I Got You Bruce, c'est en fait, ils ont attrapé un requin, ils l'ont appelé. Ça, je regarde. Ah, tu peux récupérer ça si tu veux. Ah, viens. Viens là, le sage. Oui. Tu peux récupérer ça. Oh, lampe pour casque, c'est énorme. Merci. Old radio notes. 22nd of December. Distress call received. Balboa Island. Ah. L'île de Balboa. 9th of January. Rocky, c'est toi? Won't accept facts. 2nd of February. Rocky. Gunshots in the distance. Une caisse, let's go. Hey. Attends, il y avait un crochet en métal dedans, mesdames et messieurs. Trois plans, ferrail, recette smoothie argentée. Oh. Ok, alors attends, ça va être l'équilibre. Attention. 1, 2, 1, shoot. Attends, j'essaye. J'ai pas pris SCD, non, fais chier. Alors faut faire un meuble bon. Pour l'atteindre. GG. Oh mais merde, je suis descendu. J'ai trouvé une caisse que vous aviez pas ramassée. Ah, bien joué capitaine. Il y avait le plat du ragoût de requin dedans. Ça c'est très très cool parce que ça remet vraiment beaucoup de bouffe. Oh, du ragoût de requin. Oh, un pot d'échappement. Parfait. J'arrive. Attendez-nous. Oh, une nouvelle note ajoutée. Waouh, on voit loin dans l'océan. Bon, et eh bien, ok. Sniff. Si, de toute façon, il faut que tu montes, faut que tout le monde monte jusqu'en haut. Enfin, moi, je n'ai pas besoin, mais vous, oui. Eh, hey, attention de pas se couper. Il y a plein de vitres brisées. Mais il y avait du monde ici, il y a plein de tables, il y a des casiers de vestiaires. C'est un restant de paquebot. Enfin, de paquebot. Il est où, Torota? Eh ben, je suis en bas. C'est tellement étrange. Oui, c'est bon, là, je suis tout en haut, voilà. Je vous attends. Waouh, il est au niveau des paraboles, et Jay. Oh, ish. Youh. Il est fou. Merde, putain, mais je suis pas marché droit. Moi. Alors, on a bu du rhum en cachette, Capitoun. C'est pour ça qu'on marche plus droit. Il y avait un tonneau secret. Aurait pu être le cas si on en avait. Ah. Is there a utopia? Find the right board below. Ah, mais c'est mon perso qui est bourré tout seul. C'est pas possible. Ah, mais putain. Récupérer une note. Une caisse. Oh, bonjour, Mzel. Mon dieu, de la merde dont elle était penchée, je croyais qu'elle était morte récemment, la pauvre. Bonjour, Tala. Avance, avance d'abord sur la poutre. T'as l'air déjà bougé, Tala. Tu veux pas nous rejoindre, Tala? Moi, je te vois pas tomber, hein. Décale, essaye de sauter sur le côté. Mis. Ah oui. Radio Tower Historian. Find a lot of the tower. Radio Tower. Bon, le problème c'est que. Oh, putain, je déteste ce jeu. On est à hauteur des mouettes. Ok. Il y a bien un autre que j'ai récupéré. Bon. Je retourne au bateau. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai faim, je peux pas courir, je peux pas sauter. Ah d'accord. La dernière note que j'ai récupéré c'est des gens, interrogation, numéro 6705. Oh. Un listing de personnes perdues comme dans The Forest. Oh mon dieu. Utopia. Pour ceux qui connaissent. Ça, c'est un plan de recycleur. Il n'y a plus rien à trouver. Nice. Wow. Recycle des ressources basiques en monnaie pour le comptoir des champs. Il doit y avoir d'autres choses au niveau recyclage. On va faire du troc. La caisse. La petite caisse. Parce que ça fait plaisir. Eh bien. Eh, laissez-en nous aussi. Rapace, va. T'es où, Torota? Ah, t'es là. J'arrive. Vas-y, tu es capable. Ah, t'es bientôt arrivé. Là. T'es rigolo. Attends, je t'attrape avec le crochet.
Et moi, mon objectif, c'est d'aller assez vite pour rattraper Torota. Alors, Utopia. Utopia, on voit comme trois buildings. Oh, Utopia. Elle se fait chier, hein. Toute seule. Parlez-lui, hein. Atala. Yutala. Un visage connu. Ben ouais, c'est une gueule de requin là, que tu vois sur le crâne de... Oh, on va le faire de réparation. Il y en a qui essayent de pécho Tala là où je rêve. Oh la pauvre. Vous lui faites des choses, c'est honteux. Bonjour, salutations. Nous avons le plaisir d'accueillir Dragonski. Attends, je pêche de là aussi. Oh. Bah, vous l'avez maltraité, elle est redevenue poussière. Ah non, non. Là, là. Mon dieu, il se passe des choses. Tu as un autre Tala. Débloqué une recette ici. Il y a de la buée sur les vitres, c'est trop bien fait. Tiens, c'est bien. Ça bouge. Le requin est présent. Elle a redisparu. Ouais, le requin reste fort. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Qu'est-ce que tu fais là, Torota? Elle a toujours la même chose à dire. Mais elle est mignonne comme tout, j'aime bien le... Il est où le recycleur? Sacré Tala. J'ai le plan. Bah, lis-le pour... Ah, oui, non, il faut que tout le... je sais plus s'il faut que tout le monde le lise ou pas. Ah. Parce que moi, je le vois pas dans les trucs à crafter. Là. Ah, non. Non, c'est pas ça. C'est que maintenant que tu l'as lu, le plan, il faut aller sur le bateau pour l'apprendre à l'atelier. Ok. Bah, j'y vais, t'es. Ah. Non, t'inquiète, je suis reparti. En fait, vous parlez tous au personnage et ça vous le débloque en personnage jouable. Oh. Ah, on peut incarner Tala plus tard. Si on refait non, une vous partie. Pouvez changer. Si vous déconnectez, vous changez de personnage. Ah, ça vous changera sur toutes vos parties. C'est sous place-moi. En fait. Oh, c'est bon. Alors, j'ai. C'est la marée haute. La mer est agitée. Alors, que je vérifie un truc. Il y a des choses là-bas. Oui, mais le requin doit être de sortie. Alors, j'ai. Oui, le requin est dans le coin là. C'est bon, tu l'as fait déjà, Seb. Ça marche. Ah, de quoi? Parce que j'avais trouvé du fer. Ah, bien. Ah oui, mais ça fait longtemps que je l'ai fait le verre. C'est en faisant cuire le sable. Bah, apprends le recycleur, s'il te plaît. Youhou! Ah ben voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Je le mets où le plan ensuite? Tu peux le jeter. Ah bon? Attends, je vais faire un truc. Ça sera plus simple que de jeter les objets. Attends, j'aimerais faire. Il va faire une poubelle. Ouais. Ah merde, j'avais. Alors faut que je mette toutes les ressources que j'ai récoltées au bon endroit. Ah là, moi aussi, je suis en train de trier mon inventaire. Voilà, je vous pose la poubelle ici, tiens. Ici. Voilà. Hop. Donc, quand il y a un objet qu'on a plus besoin, par exemple, bah, toutes les plumes qu'on a en trop là. 8. Le plan. Là. Merde. Pas vite. Hop là. Et en fait, il suffit de cliquer sur l'icône de la poubelle et ça fait disparaître les objets sans que ça laisse. Non. Ah oui, c'est je bon. Cliquais pas sur mon contenant, c'est logique. Ah oui, non, c'est bien, c'est prêt. Trop bien. C'est bon. Alors je vous préviens, j'ai posté des récolteurs à l'arrache sur le côté, mais ce qui veut dire que le requin peut les péter à n'importe quel moment. Aïe. Ah oui, donc il faut surveiller, ok. Aïe. Oh. Ouais, manger. Ah, et oh du bateau, comment allez-vous en ce samedi matin? Bon, on va bien dans l'ensemble, Dragon Sky, j'espère que toi aussi. On vit des aventures bon, folles. Dragon. Dragon Sky. Du.
Oui, pour info, tiens, je suis un peu la pub de tout le monde. Pour ceux qui aiment Stardew Valley, il y a Dragon Sky qui s'est lancé dans Stardew Valley. Il vous le fait sur son antenne le lundi soir, normalement. Et la flotte. Il a déjà fait 2 épisodes, 2 soirées, c'est rigolo comme tout. La flotte, quelle flotte. C'est là, la flotte. Merde. Ah oui, t'as soif. Ah, au secours. C'est pas comme s'il y en avait plein, mais... Oui, t'inquiète. Mais là, il a faut prendre à manger, sinon je vais crever aussi. Ah. Non, mais c'est parce qu'il est super lent, c'est pour ça que je fais ça. Ah, merde, vite. Oui, une fois que t'as atteint la limite basse, là, ton perso est trop ralenti, je trouve ça. Ouais, t'es dans le mal. Oh, ça fait assez réaliste, hein, quand t'es en train d'agoniser. Moi, quand j'ai soif, je ralentis un peu, mais tu peux même plus sauter, rien du tout, ça c'est relou, quoi. Parce que moi, tu vois, je suis arrivé tout en haut, là-bas, et moi, c'était le dernier saut à faire pour vous rejoindre. Et ben j'ai commencé à avoir trop faim. Mais pourquoi je suis à l'eau? Moi, quand j'ai soif, je peux sauter quand même. Hein. Enfin... Oui, tu peux sauter, mais comme tu peux pas courir, les sauts, je pouvais pas les passer. Du coup, tu veux faire quoi, ma petite Seb? Trouver la deuxième. Je veux faire le recycleur. Capitaine Petit Seb maîtrise la lévitation. C'est magique, il est trop fort le capitaine. Oh. Oui, en fait, je m'avance super bien, une bonne dynamique de progression, dit Dragon Sky. Oui, tu joues très bien à Stardew Valley, Dragon Sky. J'admire avec plaisir tes aventures. Dans le petit coffre là, j'ai mis une recette et un crochet en métal que j'avais récupéré. Ouais, prends par exemple, EJ, je sais qu'il y a le coffre qui est vers l'encre là, collé à l'encre, non, de l'autre côté, pas là où t'es. De l'autre côté, et il y a plusieurs recettes dedans, t'as qu'à toutes les mettre dans l'eau. Ah oui. Au même endroit. Voilà, voilà, alors. Le souci c'est que ça... Le dîner de requin. Tac. De toute façon, on pourra le décaler après. Je vais le mettre. Le sage dans le petit coffre là où je suis. Il y a quelques trucs à cuire si je suis. Ah, intéressant, merci. Lui là. Mais attendez, si on a pas mal de ferraille avec l'accord du capitaine, je commencerai à faire des panneaux. Parce que les panneaux se font à la ferraille. Mais... À la ferraille? Ouais, mais faut vérifier les stocks. Est-ce qu'on a beaucoup de ferraille? Je suis pas sûr. Panneau. Non, panneau ça se fait avec des clous. Oui, mais les clous sont à la ferraille donc. Viens, monsieur. Ils sont passés où les clous? Il y en avait une vingtaine dans le coffre. Oui, j'en vois plus. Ah, ils sont là. Je suis auprès des clous. Nos pièces, messieurs, s'il vous plaît. T'en as combien des clous là-bas, le sage? On est proche de la quarantaine. Ah oui, il y a les 2 stacks, oui, donc oui, c'est moi qui ai dû les décaler. Oui, tu peux prendre les clous. Bah, le problème, c'est que il faut du bois, et du bois, on en a quasiment pas. Oui, aussi, oui, mais je vais en faire de temps en temps, mais on peut déjà commencer à en faire un petit peu. Mais tu peux déjà en faire 4, parce que c'est l'effet par deux, je crois. Hein. Mais là, du coup, on a tout farmé ici, ou tu veux... Oui, mais du coup, on a tout farmé, et ça nous a donné... Normalement, vous avez dû avoir le... Le numéro 26705. Oui. Oui, voilà, il y a ça, mais normalement, si vous avez bien récupéré tous les documents, vous avez eu un succès Steam qui vous dit que vous avez eu tous les documents de la tour radio. Oui, aussi. Oui, j'ai cru voir passer ça sous le nez. Bah, dans ce cas-là, on est bon. Tu peux mettre le... Bah, je m'en occupe. Bien joué, le numéro. Ouais. Tu peux mettre le nouveau numéro, mais de toute façon, on va pas y aller tout de suite. Par contre, alors, attends. Ah bon, on va attendre. Voilà, c'est fait. Au moins, le numéro est là. Lever la voile, lever l'ancre, histoire qu'on commence à... Voilà, tirer par là. Alors moi je propose qu'on fasse une prochaine grande étape un autre numéro parce que là on va vers les midi, il est déjà quasiment littéralement midi. Et c'est bien, ça fait durer le plaisir. De toute façon moi ce que je voulais c'était le recycleur là. Ouais c'est voilà, cool. Le sage a fait du poulet. Voilà. Oui donc j'étais en train de gérer les premiers écriteaux. J'en ai fait 10. Je laisse.
Il y a une mouette ici, ah, dans une forge. Mais ah, elle est morte. C'est bien, je la dépece. Merci, AJ. Ah, tu peux la faire. Ah, que quand elle même pas tué. Elle est arrivée comme ça. Oh, ok. C'est cool, elle s'est viandée elle-même. C'est magnifique. Je suis. Bah, ouais, je prends des algues pour les cuire, je me retourne, je vois une mouette, je fais quoi? Les jouets de la mer. Ah, il s'en passe des choses en mer. Ok, alors. Le requin, tout ça. Hein, il a attaqué le raft. Le recycleur, du coup, vous. Il fonctionne avec une batterie. La batterie, vous me. La laissez jamais dessus. On va d'abord le remplir à fond et ensuite on mettra la batterie. Faut mettre quoi dans le recycleur ? Bah, par exemple, tu peux mettre des plumes. Plein de plumes. Oh oui, des plumes. Parce qu'on en a plein. Et on va mettre des cailloux. Attends, parce que j'ai pris ce qu'il faut sur moi déjà pour mettre dedans. Alors, je vais voir ce qui passe dedans. Da, 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 da. Bonjour, message de FunFan 1992. Bonjour et bienvenue à la communauté de @momoka_1. Bonjour Momoka, merci, c'est gentil pour ton échelle. Ouais, t'as mis les cailloux là. Ouais, j'espère on va que garder vas un bien. Stack de cailloux et on va poser le reste. Bon appétit pour ceux qui passent à table. Merci, j'espère que ton direct s'est bien passé. C'est un relais de chaîne. Merci, j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Okay. Bienvenue. C'est le plus intéressant que par rapport au tournoi. La caisse t'arrive. Ouais. Hop, elle va être capturée si tu veux la récupérer. Pas de soucis. Voilà. Attends, comment je fais pour... Hop là. N'hésitez pas à tourner la voile quand vous voyez qu'elle est plus dans le même sens que les voiles. Le vert, ok. Ah oh merde, j'ai posé un panneau accidentellement. Backspace pour retirer, d'accord. La récolte va être beaucoup plus rapide, ça va être incroyable. Bonjour JJB. Ouais, bah j'espère que vous allez bien. Merci tout plein pour la chaîne et puis bonne app pour ceux qui vont passer à table ou qui ont déjà leur popote. Alors, ça en fait des coffres, mazette. Alors, recette, plume. Tiens, un nouveau cadeau. Oh. On va l'ouvrir. Et c'est... Un rideau. Oh. J'ai gagné un succès. C'est bien. Parce qu'apparemment, j'ai découvert tous les objets qu'on pouvait... Quoi. Merde, j'entends la mouette qui est en train de bouffer mes récoltes. Vilaine mouette. Oh, bah, voilà. Elle est en plus, tu l'avais pas de toute façon, c'est bon. Oui, c'est vrai. Hop là. Attendez, plan. Ce que je peux faire. Je mets une patate crue dans le coffre de bouffe. Hein. Merde. Oh, j'ai du mal à gérer le. Voilà, des écriteaux. Divers. Ouais, de toute façon, fais comme tu peux. Après, de toute façon, on va ranger, on va déplacer et on mettra comme il faut. C'est un peu parfait, c'est pas grave. Ah oui, j'ai dit, les coffres sont tellement serrés que je peux même plus. Mais ça, c'est la bonne chose. Je vous accueille le stage, comme ça, oui, comme oui, ça, on peut oui, faire oui, les panneaux. Je fais les panneaux. Alors. Il y a une île vers là où je vais. Allez, let's go, on va y aller. Bah, tourne la voile au lieu de ramer. C'était économisera ta force. Après, je sais pas si on va bien avancer dans ce sens-là. Ouais, on va quand même ramer parce que. La mer nous fait partir sur la gauche de l'île. Après, ça a l'air d'être juste une petite île.
Il y a quand même deux petites choses à visiter. J'aimerais bien tomber sur une plus grosse île. Ah, faudrait qu'on... Sinon, on regardera avec le radar pour mettre le cap... Attends. Arrête de ramer deux minutes que je reprends le... Ouais, ouais. C'est bon. Je suis content. J'en rêvais. Je vois un manguier au milieu de l'île. Je lève l'encre ou pas? Attends. Ouais, je prends l'encre. Vas-y. Ok. Non mais le requin, t'es sérieux de commencer à mâcher le bateau juste à mes pieds en fait? Un ambitieux. Oui, oui, oui. J'ai du mal à passer à la ligne. Allez, je vais sur l'île. Hop là. Bonsoir. J'ai pas. Ouais, t'as caca du sage. Ok. C'est bon, ça. Bah, je coupe. Hein. Bonne soupe pour moi et Yorks sont en cours. Oh, bien la Jed. Oui, bon retrait, Nash. Bonne popote. Mais oui, bonne cuisine et bonne app. Merci tout le monde d'être là, c'est cool. D'accord. Sachant que ça a l'air d'être grand, je pense qu'il voit. Non, elle est pas grande, elle est petite. Oh putain, le requin, hop là. Le requin est là. Non mais c'est que je pense qu'il doit y avoir une petite cavité en dessous, mais pas sûr. Ça m'étonnerait, l'île est trop petite pour moi. Mais... Hop là, je récupère le bois, le plastoc. Attention. Ah, le requin qui me bouffe le fiac. Tu peux récupérer les pierres là aussi, parce qu'on va les mettre dans le compacteur. Okay. Edgy, tu l'as toujours ton l'hameçon du requin? Oui. Je suis trop fier. C'est le moment de le jeter. Ok, je le mets au bout du bateau. Ouais, peu importe, tu le jettes, t'essayes de le jeter un peu plus loin pour pas qu'on... Tant qu'on puisse le toucher, le tuer et récupérer sa bouffe, ça sera bien. Ouais, c'est ça, fuis, connard. Je m'occupe de la nourriture en l'absence du pisto. Oui, merci, je fais encore des écriteaux. Le dernier, parce que... On est bien organisé, là. Allez, viens là. J'ai... Viens là. Philippe. Philippe. Ok. Le compacteur est plein, il est lancé. Alors, ce que bon. Ça donne à la fin. Ressources visqueuses. On a rangé les ressources visqueuses. Là, j'ai un goût de nouveau. Ah, Legend dit qu'il teste Smayland Survives the Rides. Quelqu'un connaît? Pas du tout. C'est un jeu un peu comme Green Hell ou d'autres, mais sauf que t'as la taille d'un escargot, je crois, ton perso, un truc comme ça. Ah, j'ai déjà changé. Bonne journée, fun, merci beaucoup. Je me trompe pas. Bonne app, fun. Ouais, c'est un jeu de survie, mais avec Microcosmos, quoi. C'est chez les Minimoy, en fait. Ouais. Ah, c'est bien, c'est un style. La Jed est en train de le tester. Bon, bah, c'est bon. Ah, tu nous diras ce que t'en penses, la Jed. J'ai trouvé du métal. D'ailleurs, concernant la Jed sur sa chaîne YouTube, oui, la Jed a une chaîne YouTube. Il nous a concocté, tondu une belle vidéo. Message de FunFan 1992. Je vais manger, bonne journée. Et le sage, je te souhaite un bon week-end et à lundi. Merci, oui, c'est vrai que. On va dire au plus tard à 13h30, moi je devrais me déconnecter. Oui, merci, bon week-end à toi aussi, FunFan. Ouais. C'est exact. Oh, tout n'est pas traduit dans le jeu. Requires. Mais attends,
Il a bouffé le... Hein? C'est ça, bonne purée à FunFan, on est samedi midi. Non, non, c'est qu'il préfère... S'il voit des joueurs, il attaque en priorité les joueurs, hein, wow. Pas là-bas. Hein. D'accord. Terrible. Je vais remonter sur le bateau parce que je me prends un coup, je suis mort. Oh. Je vais me coucher deux minutes. Oui, moi, je peux carburer un seul. Eh, hey, salut ce Timio. Eh bah ben, écoute, ça va bien, ça va bien. Bonjour Stimio. Bonjour Stimio. Alors. Et c'est possible qu'il ait déjà bouffé lapin hein, parce que. Ah bah non, il est encore là. D'ici. J'ouvre quelques cadeaux. Ça, ah, je sais pas, un truc qu'on avait déjà. Non, ah. C'était pas une graine, je suis triste. J'ai plus d'annonce de cadeaux, on a tout découvert. Mais oui. Bonjour Stimio. Et Jet a dit qu'il avait eu le succès tout à l'heure d'avoir tout découvert. Ah. Oui, oui. D'accord. Voilà, je m'amuse à déchirer des colis sur le navire. Quel c'est bon mon nouveau passe-temps. Requin. Edge est tout fou. On trouve les deux yeux. Ouais, je fais des confettis géants. C'est là. Oh, cousin qui s'offre le resto. Eh ben, bon resto à toi, cousin. Waouh. Oh, t'as bien raison, va. Comme on dit, t'as pas chômé. Bonjour Stemio, merci de passer par ici. Bienvenue sur le canal. Tu t'es mis sur les trois streams. C'est bon. T'es chaud ce Stemio, t'es chaud. C'est bon. Mais faudrait qu'on fasse la commande de multi-stream, tu vois, ça serait plus simple. Bah, je me demande tout à l'heure si FunFan me l'a pas mise en place. Il m'a déclenché un truc que je connais pas, donc peut-être que FunFan me l'a mise pour moi. Pas sûr, hein, je dis peut-être des bêtises. J'ai vu une histoire de monitoring, je sais pas ce qu'il a fait. Ah, le sage, là, faut que tu récoltes. Ah oui, j'arrive, cuisine. Ah oui, oui, des pommes de terre. Miki, bien vu, Edge. Je me disais, putain, pourquoi il a lâché. Mais en fait, il avait un Torota au cul. On sait bien. Non, j'aimerais bien, avant qu'on finisse, qu'on se fasse une plus grande île, en fait. Oh. Ça serait cool. Bon, on a encore une heure, hein, pour ma part. Le compacteur, il en est où? Il nous a fait deux paquets, déjà. Faut qu'on récolte toute la pierre qu'on peut. La pierre, maintenant? Wow. Ouais. Ouais, j'en ai récupéré. Les gros coquillages, là, les grosses coquilles aussi, récupérez-les. Dans le broyeur, ça marche bien. Non, je m'occupe du requin parce que si je peux le tuer. Mais moi là il vient de me mordre le cul donc. Alors le recycleur t'en es où? Non, il a pas fini. On va le laisser finir. Une grande île parce que je vais vous montrer à quoi va nous servir le recycleur. Vous êtes parfait, ça va nous être extrêmement utile. Oh. J'ai jamais découvert, j'ai jamais vu que deux, pas visité. De toute façon, les grandes îles, t'as toujours un marchand dessus. Quelque part. Ah. Ouais. On va faire du commerce et du truck. C'est bon. Eh, hey, il y a des algues qui n'ont pas été récoltées, je les vois d'ici. Non? Ah si, j'avais oui, coup d'œil. Parce qu'on attend que le requin soit mort un peu. Ah d'accord. Ouh, tu veux me faire croquer bon, après si tu veux, vas-y, hein, mais... Non mais c'est si fait. Tu peux niaquer les fesses, c'est voilà. De ta faute. Oh, ça faisait longtemps. Je reste en l'heure, dit Semnio. Quelques trucs à finir, bon jeu. Oui, merci. Mickey, t'es plein. À plus tard. À plus tard. Le sage, c'est pas la peine de faire. Reste les... Ah, pardon. Merci beaucoup. Les algues, plutôt les métaux là. Alors on avait besoin des algues, mais là, d'accord. Là c'est plus. D'accord. Mais étant là, j'ai de la pierre. La pierre, moi je m'en sers pas, contrairement à vous. Voilà, j'ai rangé les lingots. Tu sais.
tous les harengs et les casse-noix que je vais pêcher, je vais les garder pour de futurs appâts, comme ça on sera tranquille. Mmh. Oui, c'est non. bien. Très bien. Je trouve qu'on joue. On devrait attendre qu'on soit deux, on pourrait lui mettre deux coups. On fait un équipage absolument superbe. Ouais. On a chacun nos rôles bien répartis. C'est l'éclat total, quoi. Là, l'équivalent au même niveau de difficulté normal dans ma partie solo, pour obtenir ça, il faut falloir que je joue 50 heures. Hein. Pour le moment, il est pas mal le jeu d'Ila Jed, le Small Land Survive the Rides. Il aime bien la Jed. Là, je pense qu'il est bientôt out. Le requin. Le requin, il va que... Là, je pense que... Oula. Allez, je vois que ça bastonne sévère du côté de Torota. Ouais, je pêche de pile poil devant la lune, c'est magnifique. C'est beau. Je t'attends, regarde les deux. LG est devenu un homme, un vrai. Il pêche devant la lune. Quoi? Vous n'avez rien entendu. J'ai entendu la même chose, c'est bon. Et ça sera même clippé. Bravo, c'est du propre. Il faut que je dise des salacités pour qu'ils se mettent à clipper. C'est honteux. Non, t'inquiète pas, c'est du sable. C'est pour ça que ça fait bizarre, mais c'est pas cuit. Ok. Là c'est qui? Coucou. Bonjour Twinsen. Alors que Torota se bat avec le wok, hein. Oh mort, joli mort. Il l'a eu, GG. Trop beau. Allez, good game. J'ai récupéré les 4 morceaux. Comme ça. Est-ce qu'il me reste du bois? Oui, il me reste 3 planches. Monsieur le cuisinier, voici les 4 morceaux de requin. Ah, tantôt. Merci Torota. De rien. Voilà. Du coup, hop là. J'ai récupéré Mickey. Je vais cuisiner tout ça. Je vais cuisiner tout ça. Je vais cuisiner tout ça. Hop là. Hop, c'est reparti pour un cycle de flotte. Je m'en fais une bouteille. Est-ce qu'on a un peu de bois? Ah, on commence à avoir un peu de bois. On a toujours pas tué le requin là? Si, à l'instant. Ah, Torota si. L'a eu de toute beauté. Okay. J'étais beau. J'attends que ça épouse. On va ramasser tout ce qui est pierre et ferraille. Et coquillages. Bon, et bien je vais devoir vous laisser malheureusement. Et bah, j'étais bien moussé, Jay. Bien joué. T'es un chef, bah, un grand pêcheur. Voilà, garde ton stuff, poste tes ressources qu'on puisse les. C'est ça, tu une scène. Après les camions, il j'ai juste mes armes, mais bah si vous voulez, attends. Non, mais. Non, regarde ton inventaire, Jay. Tu nous rejoindras samedi c'est prochain. C'est juste si t'avais des ressources, tu vois, genre t'avais des poissons ou t'avais rien. Non, je serais pas là. Des plantes. Mais j'ai juste des poissons, de quoi faire un appât. Bah, mets-les dans un coffre. Je suis pas là le week-end prochain, c'est horrible, mais. Nous, on se retrouve. Le week-end prochain, moi j'ai dit avec EJ, on fait du Starbound. Oh, c'est bien. Faudra que j'aille regarder notre diff. C'est bien, j'ai mis dans le coffre où c'est marqué vivre cru. Oui, groupe de musique à bas, oui, c'est ça, t'es une scène. Bon, hop. Ouh, attention, oui, j'ai plus de bois. Ouh là là. Oh, oh. Après, si vous êtes là, enfin, vous terminez vers 13h30, c'est ça? Oui, c'est ma limite, moi, 13h30. Moi, je me déconnecterai plus tard. Moi, je suis sûrement parti avant, mais c'est pas grave. Oui. Non, mais on aura très bien joué encore ce matin, extraordinaire. L'action, on a bien rigolé, l'évolution. C'est ce que je dis, on est sorti de la première phase de pure récolte pour étudier ce qu'on a pour avancer, à commencer à explorer l'histoire. Bah oui. Alors, je serai pas dispo cet après-midi, une scène. Petit concert pour le Téléthon avec branchement et prestations. Ah oui, ça va te donner du boulot, une scène, effectivement. Au niveau de la technique son, bah bon courage à toi, Tunsen. Ok. Bon bah à très bientôt. A plus, Edge. Salut. Merci d'avoir joué. Ciao. Ouais, c'était cool.
Je te coule. Ah, requin cuit. Ouais, mais là, j'ai plus de planches, donc je vais arrêter le four pour un moment. Mais c'est pas grave, on a plein de ressources. Alors, le coffre du miam à cuire, les vivres crus sont ici. Fais attention à pas forcément cuire tout le poisson, parce qu'il le garde pour les appâts aussi. Il aurait peut-être fallu séparer en deux coffres. Ce qui est pour les appâts et ce qui est pour faire cuire. Ouais, de toute façon, là, je me calme. Je cuis plus rien pour le moment, parce qu'on a, on a vraiment de la réserve, c'est bien. Là, je pense qu'honnêtement, on pourrait tous faire une journée sur le rafio, nuit incluse, 24 heures dans le jeu, où voilà, on top confort, on fait plus rien, on fait la fête, on pourrait. Franchement, c'est dire à quel point on a des ressources. Et merci, c'était mieux pour le fou. Hop, les pierres, je les mets avec cela. Du métal. Ça, c'est... Ah, alors, merde, j'ai un coucher de réserve. Alors, moi, il faut que j'essaye d'accéder au bouquin, ce qu'a expliqué Petit Seb, dans l'interface. Ouais, mais j'ai personnalisé mes touches, donc je suis déjà perdu. Ouais, comme d'habitude. Ah, c'est ça. Objet trouvé. Des gens, 6705. C'est passé à inaperçu, ce que t'as dit. Wow. Non mais sur tous les jeux le sage il change des touches, sur tous les jeux, bah du coup on veut lui donner une touche, sur tous les jeux c'est pas la même forcément. Oui. Mais alors je réédite ma critique au niveau de l'interface du jeu. On voit que c'est programmé en haute définition, mais c'est un problème. Moi je me flingue les yeux là, je vais honnêtement, il y a des trucs, enfin que je me colle à mon écran pour pouvoir lire, tellement que c'est fin l'écriture, c'est un truc de fou. Attends. Parce que en cliquant sur le message, tu le vois pas en plus gros. Ah oui, je préfère. Ah d'accord, on se retrouvera dans un lieu plus sec, serette. Ah, il y a des histoires de famille. D'ailleurs, on a un beau collier avec une. D'accord. Radio. Ah oui, effectivement, bon, c'est bien. J'ai rien dit. D'accord, 12 décembre, nous sommes arrêtés pour la nuit. Howl a escaladé la tour. La radio a l'air de toujours marcher, on devrait arriver à Selene dans 2 semaines, mais l'équipe ne répond pas. L'atmosphère est plutôt tendue, les autres complexes sont déjà sous l'eau, alors si on a perdu Selene, il ne nous reste plus rien. Pour couronner le tout, Sparrow ne nous adresse plus la parole. J'espère vraiment qu'on n'est pas le dernier espoir de l'humanité, signé Cuckoo. Cuckoo. Ah bah c'est bien, de temps en temps, je lis une note. Ah merde, j'ai pas lu dans l'ordre. Ah si, j'ai lu dans l'ordre. Voilà, je découvre l'interface, excusez-moi. D'accord, moi je verrai les autres notes au prochain épisode. Parce qu'on a fait tellement de choses que. Wouh! Mais il est bien ce carnet. Alors, oula, vous m'écrivez dans le chat, faut que je vous lise. Je vais devoir jouer au tableau mystère. Oui, bah, le tableau mystère il bouge pas. Il bouge pas pendant 3 semaines, hein, figure-toi, tu une scène, donc t'as le temps. Normalement c'est début décembre le Téléthon, mais la ville où je vais c'est aujourd'hui. Ah, il y en a qui, d'accord, qui élargissent dans le calendrier. Il va y avoir un camion de nourriture avec de la poutine. Miam. Oh bah bonne app avec ça, Tunsen. Je crois que j'en ai jamais mangé le plat à la poutine. Moi non plus. Ah, la poutine. Je pense que j'aimerais bien essayer un jour. Oui. Non, je suis en train de réfléchir, moi, vie réelle, ce que je l'ai croqué à midi, j'ai pas réfléchi. Il me reste des flageolets à manger, moi. Enfin, bon, bref, pardon, c'est mon moyen. Bon appétit ! C'est ça. Non, j'aime bien. Un rôti, et puis après le reste, je sais pas. Mouette ! Oui, bien joué. Oui, tiens, d'ailleurs, la récolte. Ah, bah voilà, la récolte est à faire. Bien vu, Dorota. Toc. Là, durant la semaine, je continuerai à récolter, faire à récolter un peu de récolte. Ouais, tu nous referas des coffres. Et on va revenir, il y aura 3 coffres de bois, 3 coffres de plastique, ça sera bien, je pourrais construire. Ah, ça serait génial. Oh, mais de toute façon, je pense que c'est ce que je vais faire. Pour être honnête, donc bois, je plastique, dis, métal. Le métal, c'est si tu trouves les îles et de quoi en récolter, quoi. Ouais. Et là, j'en ai récolté une petite dizaine, là, en faisant le tour les de les algues aussi, tiens, tant que j'y pense, comme ça.
Non, les algues, c'est bon. Ouais. Là, j'en ai encore 10 sur moi. Oh. Le squad est revenu. Oh. Ah, il vient de me croquer le... Exactement. Ah, bah là, il s'en prend au mien. Non, mais j'en ai rien à foutre de toi, le squall. Casse-toi. Ça parle mal. Le problème, c'est que j'ai pas fini de fouiller là. Vas-y, t'es où? Tiens, mon pieu dans ta tronche. Ah, mais j'ai presque fait le tour de l'île en fait. Alors, Dragon Sky nous indique qu'il y aura des diffuseurs Twitch et YouTube, je présume aussi, qui feront des directs pour le Téléthon, marathon de 24 heures en relais de personnes sur Twitch. Oui, j'ai vu que ça marchait bien, tout ce qui était caritatif et... Alors, non, ça, c'est fini. Oui, c'est après, fini. C'est sûr qu'on aurait pu en faire un, mais bon, après, ça dépend. Alors, je me réexpliquerai mon point de vue, je vais pas le faire maintenant. Mais moi, dans mon bilan 1er janvier, je vous réexpliquerai mon point de vue de mon expérience Twitch, pardon. Et moi, je suis pas preneur d'événements caritatifs. Enfin, du moins sur mon canal. Je vous réexpliquerai pourquoi. Ah, moi non plus, parce que les événements, en fait, comme je peux pas stream quand je veux, bah, c'est un peu compliqué de se caler sur les emplois du temps des événements caritatifs, quoi. Mais je salue l'initiative, hein. Voilà. Mais moi, me concernant, je veux pas m'embarquer dans le genre. Le l'appât a pété, hein, Torota. Le l'appât, il y en a plus. D'accord. Vas-y, let's go. Mais y a pas de soucis. C'est beau, c'est fou comme en 4 heures notre embarcation a évolué, c'est magnifique, je suis béat d'admiration. Ah, qui c'est qui a récolté le verre là? Ah, pas le moi. Le MIO. Mais dans le verre, parce que t'as un truc vert ici là. Ah, ça me perturbe, va vraiment falloir qu'on range les coffres parce que les trucs qui cuisent à l'opposé des machins, ouais. ça le fait. Ouf, je rangerai ça avec... Paf. Du coup, il est où le sage? Qu'est-ce que... Il est là. Je suis proche de ma boîte à caca, capitaine. Tiens, la boîte de graines qui est à côté, je te pose un cadeau dedans. Mais si, capitoune. Oh, mon instrument favori. Oh, oh, vilaine mouette. Hop là. Joli. Bon réflexe. Ah bah j'ai pété mon crochet, j'ai pété mal. Ah, pour faire le matos, capitaine. Ouais, alors, moi je refasse ma bouteille d'eau. J'en fais un cycle, c'est reparti. Tic, tic, tic. Du coup là tu vas te faire une grande deal rapidement ou... Oui mais je finis de faire le tour parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de minerais là. Ah c'est là, j'ai récupéré 12 minerais de métal en faisant le tour et j'ai pas fini de faire. Je me permets d'inaugurer mes jumelles. J'admire votre lune, capitaine. Le quoi? Ta lune. La gauche et ça la droite. Ça zoome très bien. J'ai vu les rainures de votre pantalon, capitaine. C'est vrai, en plus. Tu as vu mes courbes majestueuses. Ah oui. Je connais plus d'une sirène qui aimerait s'y échouer, capitoune. Ah. tu comprends, Torota, pourquoi je veux que sa chambre soit à l'opposé de la mienne, sur le radeau? Oui. Ah, le squall est très vilain, je l'ai vu de très près. Ah, monsieur le requin, tiens mon pieu dans ta tronche. En fait, j'ai presque fait le tour, il me reste 3-4 trucs à récolter si le requin me fout la paix. Ce qui n'a pas l'air d'être vouloir être le cas. Alors, qui je vais mater? Oh, on peut mater la lune de nuit, mais la vraie lune cette fois-ci. Notre magnifique astre
du système solaire. Oh, 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 j'entends une mouette en approche. La vilaine, la vilaine, la vilaine, elle va goûter de ma lance si elle croque mes pommes de terre. Je vais tester. Oh. Pour la chasse aux pigeons, ça va être très simple. Comment j'ai esquivé le requin? Le problème là, c'est qu'il est, il est dans les bas-fonds, donc il fait demi-tour très vite. Et il me reste sur la gueule. Tu veux pas aller manger le sage, là, par exemple? Et puis je joue avec sa paire de jumelles et il adore. Le sage, est-ce que tu peux te sacrifier pour le capitaine? Ouh, le requin, je suis là. Bah, il est... Aïe, 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 aïe. C'est bon, il t'a trouvé. Non, il est de retour sur moi. Bah, il est où? Le sage n'a pas assez bon goût, je pense. Bah, c'est surtout que j'arrive pas à le repérer en plus, le squall. Ah, il me croque une fois, je suis mort. Ah merde, mais je suis là, abruti de squall. Ah, je il me voit il moi. En plus. Ah, il arrive. Ouais, ouais, ouais. Bon, je peux l'occuper vite, encore un coup, vite. Sinon c'est moi qui meurs. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, bien joué. Allez. Je mange ça. Je. C'est bon, Issa, il va s'en prendre à l'hameçon. Ah, ouais, non, c'était pas le moment de jeter un hameçon. Ah, oh, t'inquiète pas, je pourrais refaire. Et puis, de toute façon, une fois qu'on part, c'est pas grave parce que. Ça nous laissera du temps. Surtout. Alors, Dragon Sky précise pour 10 abonnements achetés au prix de 39, enfin quasiment 40 euros. Pour offrir au moment du Téléthon, une part est réservée au Téléthon pendant l'événement, soit 10 à 15% voilà, du prix donné au Téléthon et le reste pour Twitch. D'accord. Oui, il n'y a rien pour le diffuseur en fait. C'est la part du diffuseur qui va au Téléthon. Mais bon, c'est une noble cause. Oh, moi j'aurais pensé que l'intégralité des. Ou au moins plus aurait été. Pour l'association. Bah, là où je peux un peu prendre la défense de Twitch, c'est qu'ils battent pavillon américain. Et s'ils devaient donner un pourcentage pour tous les événements caritatifs de chaque pays, bon, il y aurait. Voilà, ça. Hein. Là, je dois reconnaître que je comprends pourquoi ils sont pas super chauds pour. Au moins qu'ils gardent ça pour leurs événements à eux caritatifs à échelle américaine. Là, au moins, je les comprends. Je dis pas, c'est. Wally Wally. Bon. Bon, tranquille, canard pépouze. Alors, je vous cache pas que j'apprécierais qu'on prenne la mer parce que comme j'ai plus de planches de bois. Je vais pouvoir en récupérer pour entretenir le four et la cuisson. Tiens, si tu veux le sage, je t'en donne 11. Ah, je veux bien, merci. Oui, j'arrive. Attends, merci. Je te les amène. Ah bah non, c'était bon, j'allais me retrait dessus. Oh, t'es trop chou, merci. C'est gentil. Voilà. Comme merci. Je mets un dernier coup au requin pendant qu'on s'en va. Parce que j'entretiens peut-être. Le barbecue, mais là j'étais à court de... Pendant qu'on s'en va peut-être, parce que... Pourquoi ? Ça a l'air de décoller. On est bloqué contre l'île, j'ai l'impression. Ah bah faut faire usage d'une rame. Ouais. Ah mais non, c'est la voile qui nous fait chier. Voilà. J'ai rien d'autre de cru. Non, non, d'accord, je vais faire des pommes de terre. Et... Oh. Ah oui, sexy, le squall. Ah, tiens. Voilà. Leven blague. C'est bon. Eh merde, putain de marée à la con. Oh. Bah en fait la marée elle est... Oh boy, non c'est pas grave, c'est glitch. Oh mon dieu, ça fait bizarre de la marée en fait elle est dans le mauvais sens. On va pas pouvoir avancer vers l'île où je veux aller. Ah, on va aller au sens opposé. Aïe. D'ailleurs, est-ce que le jeu est suffisamment malin pour sur de longues durées le sens de la marée évolue? Ça change de cap? Ah ou oui, pas oui oui oui, ça change. Ah, ils ont vraiment c'est pour ça que je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à... D'accord. À tourner la voile en fonction de la marée. Mmh. Ah, ils ont bien reproduit le comportement de la mer.
Merde, oui, je peux la boire. Je peux faire ça. Mais... Ah, merdoum, il y a la... Merci. Parce que je suis en train de gérer l'eau, là. J'ai même pas fait exprès, hein, ouais. Oui, non, mais bien joué, mais moi, j'étais dans le bassin d'eau douce. J'étais en train de refaire tout un cycle. Et la mouette est arrivée au même moment, donc... Oh, oh. Qu'est-ce qui se passe, toi, là? Pourquoi ça... Ah, j'ai voulu prendre un petit bain. Voilà. Mais j'arrive plus à monter, c'est ouf, ça. Eh bien... Ouais, c'est la voile, ça fait avancer, après, t'as du mal à monter. Dragon Sky complète son propos en disant cette année ils feront un direct de 50 heures sans arrêt pour le Téléthon. Et bah bravo à tous les participants, c'est beau, c'est bien, ça fait une belle chaîne de solidarité. Bah, ça me libère une case. Marche trop bien, ma paire de jumelles. J'adore. Ah oui, on voit les fleurs au loin, dis donc. Trop bien. C'était l'île de tout à l'heure. Trop, trop bien. J'adore. Merci du cadeau, Capitoun. Ça le distrait de mes fesses pendant ce temps. Exactement. Ah, puis c'est bien, là, c'est tourné pomme de terre, là. J'en ai plein à cuire. C'est que le bonheur. Que du bonheur. Ce sera frites à midi, Capitoun. Ah oui, le bois. Oh, je vois des planches. Bon, ah, loupé. Hop, celle-là, je l'ai. Ça pousse, ça pousse. Alors, on circule comment, là? Putain, mais toutes les îles sont devant, putain. Les îles du devant. Oh merde, j'ai oublié de choper. Dommage. Hop là. Oh oh. Ah, on a changé le cap là, j'ai l'impression. Parce que j'arrive plus à pêcher les planches. Mon crochet devient fou. J'ai changé la voile. Je l'ai tourné dans le sens où je veux aller. D'accord. Oh, le requin est vilain, Torota. Torota. Oh, il arrive. Bah oui. Tu ne touche pas à ça, toi. Je vais réparer ça. Voilà. Alors, je fais la cuisine et j'essaie de mon côté à récupérer du bois dès que j'en ai apporté. C'est pas mal, c'est ouais, un style. Non, mais t'as raison. Attends. En plus, comme je suis près de la flotte, je gère la flotte aussi. Donc, Je jette l'ancre. Au moins, j'ai mon utilité à bord, y a pas de doute. Ouais. Ah bon? Ah, pour le... Le requin est de l'autre côté du bateau, j'espère qu'il va pas me voir. Attends, je vais essayer de l'attirer, moi. Non, mais c'est bon. Je suis assez loin, normalement, il devrait pas venir jusqu'à moi. Comme je ne le vois pas. Non, il est là, je le vois, donc c'est bon, t'as le temps. Une planche, je ramasse au passage. Oh, tu oh. Oh, c'est bon, c'est lui qui m'a bouffé le fiac. Non, il y a un petit radeau flottant, des débris là un peu plus loin. Je vais aller le ramasser des fois qu'il y a des trucs intéressants dedans. Ouais, mais fais gaffe parce que je sais pas où est le requin. Non, il va pas venir jusqu'à moi, je suis trop loin. Non, mais pour le retour, c'est surtout que je t'ai dit. Pour le retour, ça ira. Et je suis full vie, donc si je me fais niaquer une ou deux fois, ça va pas me tuer. Mouette, j'ai entendu la mouette. Je la gère, merci. Je la Par gère, contre, je j'aurais gère. Peut-être dû manger un truc avant de partir. Quatre planches et la recette de soupe de légumes. Oh. Le radeau, il est où? Je crois qu'il est là-bas. Ouais, ça a l'air d'être ça. Heureusement que j'avais fait mon... Je te vois.
Non mais heureusement qu'il faut mettre le truc en hauteur avec les trucs, parce que c'est pas que je vois en fait, je vois pas le bas du bateau. Par contre, voilà, le coquin est de... Ok. Il était de ton côté, mais il passe à côté. Je suis encore très loin. Ah. Tu veux pas que je donne un coup de rame pour se rapprocher de... Non. Si tu t'approches de moi, tu t'éloignes de notre destination. En fait. Ah oui. Ah, le seul défaut, c'est ce que je dis, c'est que j'ai oublié de prendre un bouffé et que là, mon perso commence à avoir faim. Bien joué. Bien vu. Ouais, on a embroché à deux la mouette. Ça fera plus de bouffe. On dit que le danger vient de là-haut, mais ça dépend pour qui maintenant. C'est pas faux. Ouais, pour nous, il vient plutôt de la flotte, le danger. Ouais, mais pour les mouettes, le danger qui vient de là-haut, c'est moi. Je leur saute dessus. Eh bien, je sais pas. Je me mets sur la plateforme du capitaine et je saute. Oh là là. Oh non, on a 22 noix de coco. Ouais. La noix de coco. C'est bon, tout va bien. Je n'ai rien sur mon radar en termes de requin. Ah ben si, il est bon. J'ai relevé l'an. Ok. Je vais prendre ça et je vais manger ce poisson laqué tout seul, ça fera de la place dans le coffre. J'ai vu l'animation quand tu gobais un truc, c'est rigolo. Ah, c'est bien, ils ont tout programmé, c'est joli comme tout. Non, putain. Je viens de boire de l'eau douce et je bois ma tasse d'eau de mer. N'importe quoi. Ah, oui, c'est... ça la fout mal. Ah, une petite diarrhée, capitoune. Un petit nettoyage intestinal. C'est ça. Ça devrait aller. Alors, du coup, j'ai récupéré un peu de planche. Voilà, j'en ai... Ah, il y a une île qui a l'air d'être en... Attends, je dérive. Juste un petit peu. Où est-ce que Jay a mis toutes les recettes? Dans la case recettes. Ouais, les plans d'hiver, je crois. Ouais, c'est là où je suis, les plans d'hiver. Oh bien, je vois que quelqu'un a récupéré de légumes. Ah mais la soupe de légumes, on l'avait déjà. Du coup, poubelle. Ouais, il a mis des trucs dans l'hélicoptère, dis-moi. Oh, ça suffit quoi. Ah oui, on a deux rangées de récolteurs maintenant, non? Attendez. Ah oui, il y a les récolteurs sur le côté aussi. Oh, c'est génial. J'adore. Oh, les deux beaux tonneaux qui s'offrent à nous. Bon, les récolteurs sur le côté, après on va les virer parce que... Ah bon? Bah... Attends, là je jette l'ancre parce que t'as des tonneaux un peu partout autour du bateau. Oui. La mouette, tu dégages. La mouette, oui, je l'entends alors que je récoltais du bois au grappin. Hop, ça y est, c'est bon de mon côté. Alors, attends. Je regarde où on est. C'est une caisse, on dirait. Si le requin n'y est pas, j'y vais. Vas-y. Attends, je vais peut-être attirer le requin. Ah merde, il est sur quoi? Non, il est sur Petit Seb, pardon. Ouais, c'est bon. Et tout ça, en plus, il m'a même pas vu, ça m'a essayé. Ah bah d'accord. Et hop, il vient vers moi. Oh. Non, il est sur moi. Je l'ai feinté. Ouch. Bien non, joué, Torota. Trop fort. C'est bon, merci beaucoup. Eh, j'ai mis 3 coups au requin là. Bien. Hop, 6 de ferraille en plus. Et j'ai quoi, du plastique. Ah bah, je l'ai tué. Oh, GG. Plastique. C'est bon. Mmh, et puis c'est bien, j'ai 8 planches, donc je vais pouvoir cuire la chair de requin paisiblement. Voilà. Ça.
J'en rajoute deux latières. Voilà, je t'en ai mis trois morceaux sur le grill et un cru dans le coffre. Mickey. Moi, je te mets quatre patates crues dans la nourriture. Oui, ça, c'est pareil. On a les aliments cuits à côté du grill et les crus à l'opposé du bateau. Merde. J'ai mis ce clic. Ah, zut. Qu'est-ce que t'as fait? T'as acheté un truc? Non, non, c'est le panneau que j'ai effacé. C'est pas grave, ça. Oui, gros, ça arrive. Voilà. Oh la vache! C'est dur quand le navire va vite. C'est un jeu dans le jeu de choper au grappin quand le navire va à donf, pleine voile. C'est pas évident du tout, c'est excellent. Attends, je vais essayer de choper celle-là. Ouais, je l'ai eu. Flac. On va manger. La, 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 voilà. Oh, c'est chiant qu'on ait eu le courant contre nous là. Oh, ça lag à mort là. Oh vache. Ouais, enfin. Parce qu'en plus de faire avancer le bateau, on est en train de ramer donc. Ouais. Hop, c'est bon, j'ai plus de rame. La deuxième rame que j'avais faite, quelqu'un l'a prise. On m'a pas touché, moi. C'est pas moi. J'ai peut-être été G, mais c'est pas grave. Oui, alors attends. Nourriture qui a été mise là, je crois, oui. Ouais, je vois la grande île, effectivement. D'accord. Ah, c'est une île qui est grande. Ouais. Hop, petit Seb avec le grappin, je vais t'emmener. Il me faut deux autres plastiques. Des choses. Bah oui, j'allais dire au pire, j'en peux de demi-plastoc si tu voulais. Toi, t'as... Oh, vilaine mouette. Et hop. Ah, on l'a eu. Bien. Joli. Trois pics dans le cul et ouais. On est bon. Ah ouais, ouais. Non, on gère très bien. Magnifique. Et bah c'est bien, je vais cuire de la volaille juste après. Les trois mousquetaires. Magnifique. Là, on est vraiment bien droit dessus en plus. Attends, je regarde tout ce qui Essaye d'attraper les tonneaux, c'est pour ça que je ramène plus droit. Voilà. Oh les magnifique. Par contre, je vais décaler, je vois qu'il y a un bord un petit peu plus bas que l'autre, ça va être bien pour monter. Ça c'est bon. Très belle île. En attendant, Le marchand est au sommet. Ah, le marchand est au sommet. Intéressant. Bon, mais je me dépêche pour le. Tant pis, quitte à monter sur le truc. On a du sanglier. Oh. Ah. C'est délicieux la chair de sanglier. Va falloir que je me refasse une lance d'ailleurs. Sinon. Ouais, c'est ce que je vais faire aussi une fois que je serai sur le caillou. T'as une pelle. Ton retard. Non, j'en ai. Ouais, j'en ai une, oui. Parce que sur les grandes îles, il y a forcément une grotte avec un peu de terre à l'intérieur. Des fois, elles sont un peu cachées, mais il y en a toujours une. Le sage, tu peux te préparer à jeter l'ancre, s'il te plaît. Quand le jeu aura fini de laguer, oui. Parce que là, j'ai une image figée, ça fait peur. Voilà. Alors, déjà, faut que je. Ah oui, l'ancre, oui, c'est le gros truc à manivelle. Je lâche l'ancre, capitaine. Attends. Ah, pardon. J'ai dit te préparer. Pardon, capitoune, je relève l'ancre. Vas-y, lance là maintenant. Ah, d'accord. J'ai fait cap. Je vais laisser le poisson cru. Ah non, pas ici, c'est de l'autre côté le poisson cru. Viande crue, je suis dans une logique implacable.
Oh, au pire, je m'adapte, mais c'est faites attention à la flotte autour de l'île, par contre. Ah bon? Il y a des choses dangereuses, nous dit le capitaine. Oui, il y a des choses dangereuses. Il y a des écrevisses, des poissons électriques... Oh putain, sanglier d'entrée de jeu. Je t'avais prévenu, hein, ton retard. Je sais, je sais. J'ai fait encore les... Alors, le sanglier, le mieux, c'est de l'esquiver et ensuite de le poursuivre pour l'attaquer. Oh, ça va être interdit, là. Ouais, et là, je suis sûr que... pas loin sous le bateau doit y avoir du danger, donc est-ce que ouais, ça serait pas le moment de faire ça, un arc et des flèches, tu penses pas? Si, pour l'instant, si il faut qu'on sorte un arc et des flèches. Alors donc, les flèches se récupèrent quand on dépece le monstre là sur lequel on a tiré. Ok. Celles qui ont atteint le monstre, hein, bien sûr. Mais que il m'en faut je deux. Provoque le sanglier. Et hop là, c'est bon, j'ai l'arc. Les flèches. Ah, il va me falloir. Rien du tout, puisque. Ah, si, j'ai combien de flèches? Six. Bon, ben, c'est bon. Alors, attends, on va faire ça. Je vais déposer des affaires. Histoire de pouvoir parce que si je meurs, je me connais, ça risque. T'as fait un appât pour requin ou pas? Non, je n'en ai que parce que je n'ai plus de canne à pêche. Allez, il est où le cochon là? Le cochon sauvage. Le cochon, il est là. Je le provoque, attends. Non, 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 frère, je suis en haut. Ah, d'accord. Ah. Ah, mais non, 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 n'utilise pas les flèches sur le sanglier. Oh, petit joueur. Oh, il y a une cabane éclairée là-bas. C'est toi le petit joueur. Ouais, il a couru. Oh, oh. Oh, c'était pour moi, ça. Oui, je sais pas, il m'a loupé, là, le sanglier. Aïe. Oh, il m'a embarqué, l'enfoiré. Mais oui, si te touche, il t'embarque. Ah, ouais, c'est rigolo. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bout? Allez, je me casse. Ciao. Oui, fais gaffe à ta barre de vie. Oh, putain. Attends, aïe. Ouais, un point de vie. Waouh, il me trace comme un maboule, le flacocher. Oh, il m'a encorné, il m'a emporté. C'est fou! Aïe aïe aïe! Attends, je vois plus où est-ce qu'il est. Il est là devant moi là. Ah. Vas-y. Il charge. Olé! Ah, c'est esquive! On l'a eu! Et voilà! Attends, je le dépece. Ouais, vas-y! J'ai un cuir, de la viande crue, deux de cuir. Ouh. Et une tête de facochère. Oh, c'est un beau chapeau! Moi j'ai déjà la mienne. En vrai. C'est du délire, c'est beau. Alors voyons, qu'est-ce qu'il y a là? Je te mets la viande crue dans le coffre de bouffe. Ouais, pas de soucis, je gère, merci. Ah, la vilaine mouette qui a failli me bouffer dans la colle. Alors que j'avais juste le dos tourné, c'est mon coup. Nouvelle recette. Oh, viande crue. Oh, grand 1. Un appât poisson basique. Oh, magnifique. C'est pas des recettes, c'est t'achètes les appâts en fait. Non, attends. Oui, je lui achète les appâts directement. Mais tu l'achètes pour comment? Alors, t'as mis des récoltes ou pas là, le sage? Oui. C'est en train de pousser, c'est des pommes de terre. De toute façon, je pense que on en fait, mais en fait, chez le marchand, en fait, tu vas lui acheter. Ouais, c'est du troc. Oh. Voilà, donc tu vas lui acheter. Tous les cubes de déchets que tu fais. Voilà, c'est ça. Alors, les cubes de déchets, donc tu achètes au rang 1, donc ton rang va monter. Wow. Et quand le rang sera assez monté.
Bon, là, ce qu'il y a au rang 1, il n'y a pas d'intérêt à pas récupérer plus de planches ou de plastique plus vite. Hein. Mais voilà. Et le truc, c'est que quand tu vas être rang 2, bah, tu auras d'autres choses à acheter, dont des minerais et d'autres substances qui commencent à être plus intéressantes, d'autres recettes. Il y a des plans pour les carrés de terre avancés. Parce que les carrés de terre qu'on peut faire, ils sont bien, mais les carrés de terre avancés, il y a plus de place dedans. Pour la même dimension. D'accord. Voilà. Et au troisième, il pourra même nous vendre du minerai de titane. Oh. Il pourra nous vendre un frigo pour stocker la nourriture. Wow. Il pourra nous vendre des ponts-levis au niveau 3. Merci, galette complète pour le relais de chaîne. Merci. Et il pourra nous vendre surtout au niveau 3 le plan de la gourde qui est le plus gros récipient pour porter de l'eau. Wow. D'accord. C'est cool. Moi, voilà. Et du coup, pour augmenter ton rang, en fait, il faut pêcher avec ses appâts à lui. D'accord. Et les poissons que tu vas pêcher, il va falloir les vendre. Wow. Du coup, là, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai acheté tous les appâts qu'il avait en réserve. Je vais les stocker dans un coffre. Et bonjour, galette. Comment vas-tu? Tu étais sur quel... Ah, il y en a. Sur quel jeu? Run Hachemann. Ah! Je me suis fait attaquer! C'est un sanglier, je l'ai pas vu. J'étais en train de couper du bois, là, j'abats des arbres. Attends, je suis monté. Il est où? Is. C'est un sanglier ou c'est autre chose? On était sur Monument de Valais. Oh! Oula! Attends, je vois pas la menace qui m'attaque. Je comprends pas, il y a un bug. Ah, mais j'espère que ça c'était bien, que t'as bien avancé dans le jeu. Ah, c'est un piaf qui me balance des rochers. Ah oui, ça va t'assommer. Alors, le piaf, il y a plusieurs façons. Bah, le mieux, c'est l'arc, sauf que tu risques de prendre beaucoup de flèches, donc il vaut mieux presque l'éviter. Non, l'arc et les flèches, moi, ce que je voulais pour dans l'eau. Ah, Mais faut qu'on tue le requin d'abord. L'enfoiré de... Bon. Attends, je vais récupérer un arbre. Il y a une biquette, là, par contre. Wow. Ouais, la tuer. Ouais. Tu peux peut-être la tuer, oui, c'est possible. Mais on peut pas la prendre avec nous. C'est bon, là, ça. Le ouais. Là, il y a... Bon, je récolte les patates qui sont prêtes. Oui, ouais, c'est bon. Parce que là, je suis en mode bouche. Dans les vivres crus. Mais je les ai récoltés aussi parce que il y en a une qui s'est fait bouffer hein, déjà par la. Oui, ça. Oui. On est dans la richesse. C'est très cool et très chill. Ah bon. Attention, hop là. Alors, oh, le vilain. Là, on est sur du raft. Donc, avec Petit Seb et le sage de Nancy. Oui, nous arrivons chez Torta. On va pas tarder à arrêter d'ailleurs, mais c'est rigolo comme tout. Le piaf qui balance des cailloux dans la tronche. Ah, petit cerf. Il y en a un qui arrive. Oula. Oui, j'ai entendu son cri. Je te l'ai dit, hein, vaut mieux garder tes flèches pour autre chose. Hein, parce que on va pas. Être chiant possible. Hein, ouais. Le piaf. Ouais. Bon. Pour le toucher, c'est ultra relou. Il y a la grotte là, je pense. Oh, merde, ah, j'ai loupé le radeau. Elle est là. Tu commences avec un petit radeau et tu fais du craft. Donc il va falloir que tu te trouves du bois, que tu construises des planches pour te faire une base sur ton radeau. Mm-hmm. Un requin à tuer aussi. Mm-hmm. Parce que. Non, ça serait pas drôle du tout. C'est pas faux. Et du coup, t'as des îles que tu dois découvrir. Hop, là, pour le bois, par exemple, la nourriture, les coffres, surtout, donc, ce qui est du fer. Alors, voilà, hop, je regarde, c'est bon. Alors, on peut trouver dans des coffres, ça, de plastique, des lingots de métal. Dont charnière, des plans,
Et après, hop, je te montrerai sur le raft. On a un établi pour construire justement tout ce qu'il faut, que ça soit en art ou en outil. L'île est très grande, donc c'est bien, c'est cool comme ça. Ça nous permet de. T'es où, Torota? Je suis en hauteur. Ah. Tu peux redescendre? Alors, hop, j'arrive. Je suis un peu au milieu de l'île, moi, mais. Ouais, mais je te vois, je suis juste au-dessus de toi. Ouais, bah descends. Tu peux. Alors, la technique, quand vous avez une pente qui est abrupte mais pas trop, vous avancez, au moment où vous commencez à descendre, vous reculez, et ça vous fait descendre tout doucement sans prendre de dégâts de chute ou quoi que ce soit. Ah, c'est une, voilà, une espèce de descente. Okay, ouais, c'est sort ta pelle, tu vas avoir de la terre par ici. Oh. Là, là. Tu vois, déjà, t'as deux tas ici. J'ai beau. Oh. J'ai beau. Qu'est-ce qu'on trouve? De la pierre. Super. Ah oui, de la fenêtre. Oh là là. Chapeau, pierre. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est trop bien. Trop, trop bien. Bah, je récupérais les champignons des cavernes. Le sage, ouais, voilà, a trouvé une autre caverne. Oh, j'ai 4 morceaux de métal, là. Alors, je prends que le champignon, parce que je suis pas équipé de pelle. Il faudra retourner dans la grotte, récupérer... Il y a plein de trucs. Ah, mais tu me montres, enfin, si tu veux, j'ai la pelle. C'est en haut, c'est en haut. Ouais, continue dans la grotte, mais en haut, Torota. Alors... Oui, oh, oui, t'as... Tu ressors, et si tu grimpes un peu, tu dois avoir une autre entrée un peu au-dessus, là. Alors, génial ce jeu, c'est magnifique au niveau de l'aventure. Est-ce que, hop là, ouais, Jay, pas, est-ce que tu peux ouch sortir? Oh. Oui, tu t'es fait allumer par le gaffe. Eh oui. Je sais pas où tu es, je sais. Derrière toi, je te suis. Ah, mais tu me dis. Normalement, ça devrait être l'inverse. Hop, je vais quitter ça. Ah, mais je n'ai plus de hache. Toc. Ah, ben. Ok, c'est pas grave. Prendre un caillou sur la tronche. Alors, vas-y, le sage, je te suis parce que je ne sais pas où est l'entrée. Bah, je sais même plus où t'es, en fait. Je t'ai perdu de vue. Parce derrière que... toi, derrière toi. Ah, t'inquiète. D'accord. Voilà. Je vois le capitaine là-bas au loin. Oui, mais je crois que tu l'as fait, Torota, la grotte, là. C'est celle qui était en bas sous le capitaine. Oui, c'est ça, c'est là où... Aïe. Hop. J'ai bobo là. Le pire qui nous a Il y a de la terre, là, encore. Là où je suis, Torota. Alors, attends. Pour rejoindre le capitaine, Je Torota. Sais pas du tout où tu es. Il était proche de l'entrée de la grotte. Là. En fait, là, il faut monter au lieu de descendre. Ah oui, ok. T'en as un là, t'en as un là au-dessus. Un peu de la pierre. Alors, là où je trouve le jeu indulgent, c'est le fait que les héros nous incarnons, les naufragés, et tant qu'ils ont de la boisson et de la... Ils sont bien nourris, bien hydratés. Non, t'as. On peut sprinter, il n'y a pas de barre d'endurance. C'est fou. Qu'on appelle le stamina en anglais, il n'y a pas, ouais. Donc ça va, c'est tranquille, je peux courir comme un dératé, ça se passe bien. Voilà, je pense qu'on a tout vu là, c'est pas qu'il y en ait plus haut. Alors, vivre cru, les champignons, en voiture, voilà. Oh, j'ai mis il va falloir que j'aille sur le radeau pour déposer le matos, manger un peu. Ah, mais le radeau, il est de l'autre côté, je crois. Ouais, t'as de la trotte à faire. Oh, tempête, la pluie arrive. Si vous voulez, je pourrais jouer un peu cet après-midi pour farmer, dit Edge. Yes. Ah bah oui, il faudra que tu rejoignes Torota, Edge. Ouais, exactement. Je t'enverrai un MP sur Discord pour te dire vers quelle heure à peu près on va faire de... C'est bien. Donc, voilà. Ici, ah oui, là c'est pour faire cuire les aliments. Alors là, j'ai pas de poisson, de pommes de terre ou tout comme ça.
Jet a entendu, il a dit pas de soucis. C'est bon. Hop, voilà. Là, on a commencé déjà que la semaine dernière, mais voilà, en termes de matériel, les lingots de fer, les lingots de cuivre. Quoi ? Faire cuire les habitants ? Oui, aussi, si tu veux, il n'y a pas de souci. Mon Dieu, quelle horreur ! Du cannibalisme, mais quelle horreur ! On a pitié. Pas de carnage. Voilà. Mais moi, ça, je préfère le requin perso. Hein. C'est ce qu'on appelle The Forest. Ouais, c'est horrible, mais The Forest est redoutable. Moi, The Forest, j'ai jamais mangé d'humain. Je crois aussi que je suis parvenu à survivre sans cannibalisme. Je crois. Oui. Faut que je vérifie, je sais plus où on dirait. Alors, ceux qui sont intéressés de voir le premier The Forest, hein, je parle pas du deuxième qui s'appelle Les Enfants de la Forêt, The Sons of the Forest, mais le premier, je l'ai torché, si je puis m'exprimer ainsi. Je pense avoir fait le 100% et avoir découvert les secrets, parce qu'il y a des secrets dans... Merci pour les... Vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube loin de 50 épisodes, de 3 quarts d'heure, 1 heure chacun. J'ai fait une longue session en solo, en survie, difficulté normale, merci, je crois, ou élevée, je sais plus. Bref, pense qu'il n'y aura plus rien à découvrir si vous regardez mon épopée. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne YouTube. Je sais pas si d'autres d'entre vous, n'hésitez pas à dire, hein, si vous, sur vos canaux respectifs, vous avez aussi votre épopée en vidéo à la demande. Ça pourra intéresser certains. Oui, moi je l'ai fait en coop avec Lanou, on a fait toutes les fins. Ah, bien, très bien, intéressant. Alors, n'hésitez pas à aller voir Petit Seb aussi. Voilà. Lui, il l'a fait en coop, alors que moi j'ai fait en solo. Bah c'est bien, il y en a pour tout le monde. Après, je n'ai pas fait tous les secrets, puisque je n'ai pas fait les... notamment, il y a des trésors à trouver pour différents trésors à trouver pour reconstituer un objet. Je le dis comme ça pour pas spoiler. Ouais, ouais. Je ne l'ai pas fait. Ah, d'accord. Non, moi, parce que... je crois que je l'ai fait 100% en solo. Je crois que j'ai tout déverrouillé. Qu'est-ce que je n'ai pas visité encore sur... Moi, je finis mon tour. On a un dindon et une biquette sur l'île. C'est dingue, je les ai pas croisés. Je sais pas comment vous avez fait. La biquette est tout en haut. Ah, sur un des sommets. Voilà. Avec le diaspora. Voilà. Et le dindon, il est à un endroit où t'as un petit morceau de l'île qui est entrecoupé par de l'eau et il est sur ce petit morceau-là. Ouais, bah, il n'y en a rien pour les capturer, c'est ça. Non, on n'a rien pour les capturer. Bon. Par contre, il court comme un taré. Bon. Le dindon, c'est ouf. Oui, Non, mais moi, le mien, sur ma partie que j'ai faite avec Lanou, il nous a tellement fait chier pour l'attraper, je l'ai appelé Bip Bip une fois que je l'ai eu. Ah, excellent. Excellent. Aïe, c'était pour moi cette fois-ci. Ouais, je l'ai vu passer. Oh merde, y a pas d'arbre à couper. Oh, je fais de l'escalade comme je peux. Ouais, attention. Hein. Oh là là, même tout en haut, il y a encore des arbres à couper. Oh, je vais pas y arriver, c'est pas possible. Parce que j'ai la hache en main, mais... Et moi, un peu loin du rivage, j'ai trouvé un ancien radeau. Et il y a un coffre dedans. Oh la vache, il gambade d'une vitesse folle, le dindon. Ah oui. Deux pierres, une charanière, deux planches, une corde. Nice. Alors Edge nous dit, Doudou le coq noir, mascotte du gouvernement, est introuvable depuis plusieurs jours. Ouais, il va me falloir l'arc. Ça va, il est pas dangereux. Il est rigolo, mais... Tiens, je pourrais récupérer du métal. Bon, alors... Ah putain, j'ai la dalle. Je vais m'occuper de ce piaf de mes deux. Non, il faudrait que tu me passes l'arc, je te le rendrai après, mais t'as fait combien, 6 flèches? C'est pas une vanne, c'est une info réelle. Je savais même pas qu'ils avaient un coq noir. 6, et là il faut que j'aille récupérer la 6e.
Ah bah le gouvernement. Tu l'as tiré sur quoi? Ils ont perdu leur mascotte. BG Miss Click, et ça a été sur une paroi du mur extérieur. Donc, à vrai dire, où l'a trouvé, je ne sais pas. Oula. Tu pourras pas la retrouver. Ah merde, ça va. Voilà. Aïe. Donc du coup, où es-tu? Où es-tu? Je suis en train de me diriger tout doucement vers le radeau. Mais et de toute façon, je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, moi aussi. Okay. Ah ouais. Là, c'était génial. Ouais, bah. Faudra que t'enregistres le monde. Faudra. J'essayerai de passer pour finir de fouiller l'île avec toi, histoire qu'on la fouille bien complète. De toute façon, des grandes îles, on va en faire d'autres parce que les grandes îles, c'est là où il y a les marchands, c'est là où il y a des choses utiles à. Ah, il y a l'aventure. En plus grande quantité. Mais là, ouais, j'ai trouvé un truc à tuer là dans la flotte, mais il me faut l'arc. Oh. Ça marche. N'est-ce pas donc. Il y a un jeu de lumière de fou. Ah, hop, tu vois, là, je viens de monter sur le bateau, mais il me faut d'abord de la bouffe. Le reste après. Hop là. Et bah dis donc, je vous aurais gâté. Enfin, on vous aurait gâté aujourd'hui. Ça fait un grand épisode. Parce qu'on a 4 heures là, je crois. Ah oui, c'est magnifique. 4 heures de raf. Oui, 3h45. 3h45. Je suis à 3h39. Super épisode. Ouais, on va pouvoir, si on a des planches, on va pouvoir faire fondre du minerai aussi. Merde, je suis en train de boire la tasse. Excusez-moi. Tac. Aïe! Vilain piaf, il m'a eu. Oh putain. Mais attends, c'est je vais pas en courant là parce que oui, j'ai bobo la tête. J'ai la moitié de la vie, c'est pas bien. Non, sinon, regarde, tu poses. Tu vois, moi, dans ce coffre là, je pose là quand j'ai plus de trucs. Ok. Un peu. Bon, je vais rejoindre le radeau et puis moi je vais me déconnecter. Bon. Je pense que. Hop, là. Flèche. Je vais refaire un peu de flèche rapidement. Là, qui me faut de la pierre. Voilà. Et un peu de plastique. Hop. Voilà. Il t'en faut combien de 6 flèches, ça ira, ou il t'en faut plus? C'est une bonne question, je sais pas. Je crois qu'en 5 flèches, je le tue, mais je suis pas convaincu. T'en as 8. Tu vois, on a 8, donc. Ouais, ouais. Faudrait que je fasse attention à pas le rater, quoi, et puis ça devrait être... Ça doit être l'arrêt que tu veux défoncer. Non. Un truc bien plus chiant. En fait, si tu le tues pas à l'arc, bah déjà tu peux... Oh, mais le requin, il a commencé à bouffer le bateau. Oh merde. Ah ouais. Oh merde. Oh le bide. Bon, ça va. Il s'est refait un cure-dent. C'est ça qu'on fait, je crois. Ouais, je continuerai à visiter l'île, parce que là, je crois qu'on a fait un peu de tour. Il y a peut-être le dos de malheur, là, qui va nous casser les pieds. Non, mais je pense que sur l'île, on a un peu tout fait. Surtout si on a tombé les arbres, qu'on a récolté la terre, donc c'est bon. C'est surtout tous les fonds, en fait, qu'il va falloir faire. Sachant que les grandes îles, tu vois, moi, c'est sur le... Là, quand on est sur le radeau, qu'on regarde l'île, sur la droite, en fait, si tu t'éloignes pas mal, il y avait... Un radeau échoué au fond de l'eau avec un coffre, il y avait des ressources, et un peu plus loin j'ai trouvé le mob que je veux tuer qui j'arrive à le tuer me nourrira des ressources qui vont nous être utiles, parce que si t'arrives pas à le tuer bah, il se passe autre chose, il despawn et il te loot rien du tout. Ok, voilà, tactique à observer, c'est terrible. Voilà. Après, je sais pas à quelle heure tu seras revenu, Torota, mais on verra parce que. Je sais pas, quand vous... je pense que là, on va bien même un petit peu avant, sur les coups de 4h30, je serai là. Ouais, je serai sûrement moi à ce moment-là. Vous faites votre entraînement d'athlète, le capitaine, petit chef, je vais voir. Wow, ça c'était du son. Alors, tu nous sauvegardes la,
le monde, Torota ? S'il vous plaît. Yes. Oui. Monde enregistré. Niki. Je paye. Menu ah, c'était génial. Merci, c'était bien, les garçons, c'était cool. J'adore. Avec plaisir. Y a aucun de vous qui continue ? Non, non, moi je pars en week-end. Non, là je vais manger. Et je reprendrai dans 2 heures. Moi je propose qu'on fasse une invasion chez Momoka. Ah oui ! Excellente idée. Un petit raid chez Momoka. Voilà. Alors, bon appétit à tous. Merci à tous ceux qui sont passés. Merci à ceux qui ont follow. Non, j'ai pas de raid maintenant. Pour les follow, tutorage, galette complète. Mm-hmm. Merci beaucoup de. On va faire un raid chez du coup. Merci pour la modération. Merci FunFan qui en plus a renouvelé son abonnement. Donc je lui fais un peu de pub. Hein, c'est normal. Et on va filer chez Momoka. Du coup, je vais essayer dans la semaine de faire un stream en longueur justement sur Raft, mais pour faire que de la ressource. Ah, d'accord. Voilà, comme ça, faire 2-3 petites îles à regarder, et puis ça, je pense que ça sera plutôt sympa. Eh ben merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Attendez, je coupe mon son, je vais faire le. Eh ben merci à vous toutes et tous d'avoir été là. Attendez, je coupe mon son, je vais faire le. Eh ben merci à vous toutes et tous d'avoir été là. Attendez, je coupe mon son, je vais faire le. Eh ben merci à vous toutes et tous. Je attends un quintuple. Merci tout le monde, bon week-end. Moi je vous retrouve dans 15 jours. Là, ça fait peur. Je vous retrouve dans 15 jours. Merci pour les actes de fidélité. Merci Mili. Merci tout plein, c'est adorable. Prenez soin de vous et à la prochaine. Moi, je reviens dans 15 jours. N'hésitez pas à profiter de YouTube. Je vous remets les liens là rapidement. Mince, je me suis trompé de touche. Oh, quel idiot je fais. C'est celle-là, ma touche préprogrammée. Voilà, vous êtes évidemment les bienvenus. Voilà, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous voir les uns les autres. Petit Seb fait pas mal de directs régulièrement. Il fait plein de contenu. Torota, même chose. Edgey qui se lance, le genou de l'équipe. Benjamin de l'équipe, comme j'aime bien l'appeler, qui se lance aussi dans l'aventure Twitch. Donc de temps en temps, il se fait des directs sauvages. Voilà. Il a bien raison. Il a compris, lui. Ouais, c'est cool. On s'amuse comme des petits fous. C'est génial. L'ambiance est extra. Merci tout le monde, ciao, bisous, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ciao, on file chez Momoka. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne, ça fait chaud au cœur, bienvenue. C'est la première fois que je fais une transition de relais de chaîne au moment où j'ai mon alerte d'acte de fidélité, ça fait trop bizarre. De lutte, puis Momoka qui est sur Gotham Knight. Il s'est montré sans pitié. Langstrom est mourant, mais il a tenté d'atteindre ce parce que j'ai fait invasion quand je suis arrivé. Ah, c'est bien. Je prépare l'invasion 3. C'est bien. Et invasion 3. Voilà. Ouais. Voilà, je vais couper mon enregistrement pour ceux qui regardent YouTube. Là, vous avez toujours entendu rap par rapport au direct. Prenez soin de vous, des bisous, merci. Ciao, ciao. N'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, je vous répondrai avec plaisir. Ciao. Ouais, moi je finis de manger aussi, parce qu'on m'a déjà appelé.